Hello Eva, comment vous allez aujourd'hui? Bienvenue les copings. Attendez, on va bien changer les petites musiques. Alors, musique de fond, ça les gars. Chômeur son, on est tout bon parce que dans mon club c'est jusqu'à 15h. Ah ouais? Hop là, bienvenue actuellement sur l'île Monade. Faut que je change ma tenue du jour. La quatrième c'est dur. Non, moi j'en garde un assez bon souvenir. La quatrième c'était pas non plus trop compliqué. Ça dépend. Ça dépend, après, c'est comme tout dans la vie. Hein. Des fois, tu penses que c'est compliqué alors qu'en fait, c'est simple. Ça dépend. Alors, attendez, j'ai même pas ma paire de Joy-Con, là. On est où? On n'a pas ça? Non, mais... Oh non! Carrément, j'en perds mon petit sticker. Enfin, le truc qu'on met sur le Joy-Con, c'est quoi, ça? Non! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh... Mais moi je veux l'enlever, je veux pas faire ça sur mon écran. Bon, désolé si ça fait beaucoup de ça. Ah c'est ça, je fais la... Oh pareil, j'essaie de compléter mon musée surtout au niveau des fossiles parce qu'il doit me rester très peu de fossiles et c'est un peu chiant. Parce que bah quand Thibaut il dit non, tu l'as déjà. Désolé si ça vous trigger le fait que mon personnage change beaucoup de... Je suis en train d'appuyer sur le... Voilà, nickel, c'est bon. On y est arrivé. Je vais changer le petit sticker. En particulier, beaucoup d'ados changent. Oui, c'est ça aussi. La quatrième, franchement, je trouve que c'est l'année du collège où tu changes le plus mentalement et physiquement. Genre, c'est t'as quel âge? 13-14, donc ouais. Ouais, après... Il y en a, ils changent beaucoup physiquement et mentalement à cet âge-là. Moi, perso, j'ai toujours eu la même tête. Enfin, oui, j'ai juste grandi, quoi. C'est logique, à cet âge-là, mais j'ai pas... Tu vois, il y en a vraiment, on les reconnaît pas. Genre, ils ont énormément changé mentalement, physiquement. Moi, tu vois des photos de moi petite, tu me reconnais de ouf. Donc, ça dépend. Ça dépend qui, ça dépend de plein de choses, mais... Tu grandis, quoi. Mais la cinquième, moi, c'est l'année où j'ai le plus grandi, je trouve. Cinquième, quatrième. Après, quatrième... Quatrième, ouais, c'était l'année où j'étais pas forcément bien dans ma vie. Hop, là, je recolle un petit stickers pour... Voilà. Bon, désolé si ça vous a trigger. Il y a changement de voix, ou bah, surtout moi. Non, oui, plus pour les garçons, parce que moi, bon. Et j'ai mué. Non, après, en vrai, quand tu regardes la première vidéo YouTube et maintenant, bah, heureusement, les gars, j'avais 12 ans. Heureusement que ma voix a changé, parce qu'imagine, j'avais ma voix de quand j'avais 12 ans. Oh, ça serait un peu chaud, quoi. Ça passait super vite, déjà vite. Franchement, la troisième, c'était ma meilleure année, sauf que c'est passé pas. Enfin, c'est tombé pendant le confinement, donc elle a pas duré très longtemps. Juste déjà regarder un petit peu au niveau des fleurs, j'ai quand même 2-3 petites fleurs en plus et je suis trop contente, regardez. J'ai eu une bleue, je suis trop contente. Donc voilà. Et je commence à avoir des cosmos roses, donc je suis très contente pour ça aussi. Quand tu regardes les vidéos de quand tu étais petit ou tu chantais, j'ai pas de vidéos dossier comme ça. Hello Omblin, comment ça va? Comment vous allez toutes et tous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes bientôt... Est-ce que vous êtes en vacances? Ah mince! Il y a eu un sondage ou pas pour le fait que vous soyez en vacances? J'ai pas le résultat. Ah mais non, attendez, je crois que c'est moi. Je sais pas si le sondage a fonctionné, j'ai pas vu les résultats. Oupsie. Ah, un nouveau sondage, voilà, c'est bon. C'est bon, je le vois. Alors, t'es en vacances? Ah bah oui, il reste que dalle. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont en vacances quand même. Bah tant mieux, écoutez, hein, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardez toutes mes vidéos, je rigole. Coucou Méline, comment vas-tu? Coucou Serenity, comment ça va? Je suis désolée, la dernière fois, vraiment, t'es arrivée pile au moment où j'arrêtais. Bon, après, ça arrive des fois, mais bon. Ouais, c'est bon, vous avez bien vu le sondage, nickel. Nickel. Si on veut t'envoyer des cadeaux IRL, comment on fait? J'ai pas d'adresse postale encore. Bientôt, peut-être, j'en aurai une. Mais ça va vous... Ouais, je sais pas. Faudra que je voie. Ah ouais, Nathan, t'as fait un pareil. Mon père, il a fait exactement pareil que toi, sauf que lui, c'était genre fin lycée. Mon père, il a pris 10 cm en 2 mois. Il pouvait même plus aller en cours, il pouvait plus marcher. Genre, il a fait une poussée de croissance. Car mon père, de base, il était petit. Bah, t'inquiète que ça a bien vite changé. Mais lui, c'est genre, c'était au lycée. Et coucou Ali Wong. Wong, je ne sais pas comment on dit, mais bienvenue. C'est comme tu refais une vidéo que je vous dis. Coucou, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Et merci encore pour vos follow. J'espère que vous allez bien, tous et tous. Coucou Crevette. J'ai acheté hier aussi des meubles à la bah, Villa de Loup, quoi. Ça, c'est vraiment l'astuce de chef, le DLC pour tout ça. C'est trop bien. Trop bien. Ouais, quand tu vois plus tes profs, genre la fin d'année, quand c'est le moment de dire au revoir à tes profs, je trouve ça tellement triste. Parce que tu sais que tu les revois pas. Bon, après, moi, je sais qu'au lycée, j'ai eu la chance parce que
même si on se parle pas, j'ai encore leur WhatsApp et tout. Joséphine va bien. Joséphine est sur mon lit en train de slay et Maurice est en train de décéder par terre. En plus, Maurice, il a les poils longs et il a les poils gris, donc forcément, ça va, c'était pas, il est pas non plus noir, donc ça passe, mais le pauvre. T'inquiète, Eloapi, y'a pas de soucis, bon après-midi à toi. Bonne soirée, je sais pas, c'est quelle heure? Je sais pas si c'est la soirée, la journée. J'ai pas mon live TikTok en même temps, c'est vrai, j'ai pas fait mon live TikTok. J'ai cette musique dans la tête, j'ai mis le ventilo. Moi j'ai ma clim mardi. Donc j'ai trop hâte, mardi j'ai la clim, je vais plus crever de chaud. T'as combien de chats? 2,5? Oh vas-y maintenant on a 3. Ouais, évitez de mettre trop d'emojis s'il vous plaît. Gandhi dort, non heureusement, Gandhi il dort en bas et Minou aussi. Attendez, j'ai pris une photo pour l'envoyer à mon père. Ça c'est Minou qui dort il y a genre 20 minutes. Et ça c'est Gandhi dans le panier en bas. Vraiment, ils dorment bien, vous inquiétez pas. Et ça, c'est Momo quand je l'ai rafraîchi il y a quoi, il y a 20 minutes. Qui est Joséphine, c'est une peluche que j'ai achetée et je lui ai acheté des vêtements à cette peluche. Premier qui commence à me juger en mode « Ouais, Charline, laissez-moi faire des achats de qualité. » Il faisait 1,65 début d'année. Oh, c'est comme j'ai le fils de ma marraine. Il est en 4e ou en 5e, je ne sais pas. Je ne déconne pas, il fait 1,90 m. Le mec, c'est un titan. C'est un titan, il a quoi? Il a 13-14 ans? 15? Je sais pas. C'est un titan. Allez hop. La dernière fois, il a failli se faire bouffer par un renard, Gandhi, je crois. Comment ça, Lily? Pas ma connaissance. En plus, tu l'as maquillé, mais toujours. Bande de rageux. Une sculpture. Ah oui, punaise, j'espère que c'est une bonne sculpture qui existe. Hein. Enfin, qui est une vraie, parce que j'achète des trucs à renard et pour qu'au final, ce soit pas une vraie. I don't know. Je sais pas pourquoi, mais j'adore les couleurs de mon setup aujourd'hui. Genre, vous voyez ici, là, ça change de couleur. Je trouve la luminosité où il y a juste ma ring light en pleine gueule et les stores baissés parce qu'il fait chaud. Oh mon dieu, t'as chaud. Hein. Coucou, c'est TikTok. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Le lien est dans la bio. Je fais un malaise en cours tellement j'avais chaud. Dites-vous des fois, ça arrive que le ramadan tombe au mois de juin, juillet. Or, ça vaut. Hein. Surtout, imagine, tu fais le ramadan et t'as des épreuves du bac. Oh mon dieu, je ne sais pas, enfin, je sais pas si vous avez le droit de manger dans ce cas-là parce que... Ne tombez pas. C'est quoi ton sport préféré? La gym, littéralement. Coucou de TikTok. Trop contente aussi, j'ai payé... Enfin, je vais payer dans deux jours, ouais. Une graphiste, donc Tammy, comme je vous ai dit. J'ai trop hâte pour avoir une belle DA artistique et tout. Sur mes réseaux, ça va être tout fait par un graphe, par une graphiste, ça va être trop beau. L'an dernier, il est tombé en plein été, il me semble. Ouais, franchement, je sais pas s'il y a des gens qui peuvent témoigner dans le chat qui ont eu ça. Parce que ça devait pas être drôle. Juste, on n'est pas dimanche. Effectivement, Cyrine, c'est vrai. Mais ouais, du coup, j'ai trop hâte de... Et coucou, Cuteline, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Coucou, Nanaïs, comment vous allez toutes et tous? Bref, je disais... J'ai commissionné une graphie, j'ai trop hâte. Coucou, c'est le TikTok. Et voilà, donc je vais là... Dès que je reçois ma paye TikTok, parce que vous savez très bien, genre, moi, mon PayPal, faut qu'il soit au-dessus d'un certain seuil. Et vu que ça coûte assez cher, quand même, une DA... Et bah, je vais être en dessous du seuil mentalement dans ma tête où je me dis c'est ok. Donc j'ai ma paye TikTok, donc ça veut dire que c'est gratuit après. Girl math. Vraiment la technique de rat. Can you get un coucou. Tu me dis grave quelque chose, je sais pas où je t'ai vu. Bah peut-être dans les pour toi TikTok ou peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Pour ceux de TikTok, venez sur Twitch, le lien est dans la bio. Oh maman, t'as chaud. Les pauvres. Pensez à hydrater vos minous avec de l'eau fraîche et à leur mettre ça. Le petit truc froid comme ça. Bon, pas trop froid parce que sinon ils vont crever sur place. Mais ça leur fait vraiment du bien, ça permet de les rafraîchir. Parce que... Mais je vais avoir la clim donc ils vont être contents. On est vendredi, ça y est, c'est vendredi, c'est bientôt le week-end. 61 fois, il remplit le musée 10 fois entièrement. Ouais. Oh, force à toi. Et vous avez passé une bonne journée vous dans le chat? Coucou Penelope, comment ça va? Bienvenue. N'hésitez pas à vous follow si vous êtes nouveau. C'est français? Oui, c'est français ce que je viens de dire. Tu joues à Fortnite? Effectivement, je fais top 1. Live qualité, sup sur Twitch. Exactement, sur Twitch, la qualité est tellement meilleure. Il fait déjà assez chaud et le truc, il te rajoute un feu de bois comme ça. MDR, coucou Carito, comment vas-tu? Donc ouais, je pense sur Twitch, je vais repasser peut-être à 3 lives par semaine. Tout dépend, hein. Tout dépend si j'ai envie. Oh, merci beaucoup Tatan on Twitch pour ton follow. Bon, l'arc Cyriel, merci Maëlys. Coucou à ceux qui arrivent. Coucou Zoé, coucou et vous sur TikTok.
Et coucou, il y a une personne qui s'appelle Charline sur TikTok. Sache que tu as un très beau prénom. Coucou Noifet, comment ça va? N'hésitez pas à venir sur Twitch, le lien est dans ma bio. Tu comptes pas faire quelque chose de ta vie à part l'ASMR, c'est pas méchant. Les gars, je veux pas du tout que de l'ASMR. En tout cas, merci encore pour tous vos compliments sur mes petites vidéos ASMR, ça me fait trop plaisir. Oh, surtout que... Il y a des gens tellement bizarres dans la communauté ASMR, enfin, je suis tombée sur un mec, oh là là. Heureusement, Alten m'en a reparlé parce que faut bien bloquer hein, des gens bizarres. Punaise, Majama est tué. Sors de ce corps. Merci, c'est gentil, Lola. J'ai custom ma coque, mais même j'ai... Ah, trop bien, t'as fait une coque comme moi, un peu, genre... J'ai toujours pas mise. J'ai fait tomber un truc. J'ai dû faire tomber un petit strass. Oh, c'est pas très grave, c'est qu'un petit strass. Non, non, c'est pas lui. C'est même pas lui. Non, non, c'est un abonné. Je sais même pas si c'est un abonné. Mais tu vois, genre, ça m'est déjà arrivé dans la vraie vie de rencontrer des gens. Mais c'est même pas ça. C'est un mec que je ne connais pas. Que je connais que. Enfin, un abonné, quoi. Oh my god! Trop bizarre. Je sais pas si tu pourras aller checker, mais les mails. Les mails dans le truc d'ASMR. C'est un gars ultra chelou qui fait des pavés comme ça. Il analyse toutes les vidéos. Mais de plein de youtubeurs ASMR. Oh, horrible. Coucou Aurore, comment ça va? J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à vous follow Aurore, vraiment, c'est une personne absolument adorable. Non, non, non. Oh la con, je reste Mireille Mathieu. Avec le chapeau. Il est en train... Ouais, on est... enfin, je pense que t'as vu qui on parle, mais... Oh, le chapeau, on dirait Choupi. Ou je sais pas, c'est hideux. Oh, c'est pas mal, ça. C'est quoi? C'est pas les... Diego Velasquez les Ménines? Non? Ouais, si, si, c'est Diego Velasquez les Ménines, je crois bien. Et je vous ai dit, je rentabilise mes cours d'art, je m'en souviens. Hello! Merci, c'est gentil. Les trucs pour ma Switch, je voulais trouver sur AliExpress. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé depuis hier, parce que dans ma story Insta, je vous ai montré. Tout provient d'AliExpress, les petites fleurs bleues. Les stickers, bah, on me les a offerts en partenariat. Enfin... Je les avais pas spécialement commandés et on m'a rajouté plein de trucs. Et les petites étoiles là que vous voyez, ça vient... C'est des stickers d'ongles et je me suis dit, bah c'est beau, donc je vais en mettre. C'est la fausse, je crois. Ah merde! Oh non! Mais elle est belle! Et ça, c'est la vraie ou pas? Parce qu'elle fait peur. Fais de l'ASMR. Oula, il y a ceux de TikTok qui me demandent de faire de l'ASMR. Les gars, faut aller sur mon compte ASMR. Mais ce soir, en plus, il y a une vidéo qui sort. Il faudrait choisir des lives ASMR en vrai le soir. C'est vrai, vous avez raison. La coupe, c'est pas possible, mais je vais pleurer, je vais péter mon crâne. La coupe est incroyable. Merci de vous foutre de ma gueule, hein. Bande de rageux. J'en peux plus. Alors, monte ta marchandise. Ça fait très genre truc de... Chut. Coucou Flavie, comment ça va? Coucou à tous ceux qui arrivent. Oh, il y a des potottes. Moi, je veux des roses. Tu m'envoyais pas sur Snapchat? Ouais, Eva Monnier, je trouve qu'on est vraiment sur la beauté absolue. T'as déjà eu Justine? Oui, j'ai Justine sur Grenadine. Donc, juste derrière. Ah, bah, vous voyez la Switch. Voilà. Tes ongles sont pas merci. Faut vraiment que je les fasse. Vous avez des idées de choses? En vrai, je pense que je vais faire mes ongles transparents. Avec peut-être 2-3 étoiles. 2-3 étoiles d'étoiles à petite feuille. Coucou Malox for real, comment ça va? Une beauté vraiment. C'est vous les beautés. Mais comment ça... Continue à me saucer, ça me fait du bien. Mais des fois, il y a des jours où je me trouve pas ouf. Mais là, aujourd'hui, je me suis trouvée belle. Donc autant le dire. C'est bien, hein. C'est bien de te trouver beau. Donc des fois, faut se dire quand on est beau. Genre plus égale plus. Je me sentis fraîche. Mais parce qu'il y avait du soleil. Et vraiment, le soleil, ça impacte trop ma vie. Demain en vacances, tu pars où, Chacha? Trop bien, je joue à Pocket Camp. Oh my god, j'ai encore abandonné Pocket Camp. Je sais pas, Pocket Camp en ce moment. Oh, mais bonjour, mais madame. Arrêtez. Ton prénom, il m'inspire tellement à la conspiration. Du coup, ouais, je sais que tu sors du boulot, mais c'est quand que tu commences Twitch là? Coucou, chérie fan, comment ça va? T'as combien de Twitch? J'en ai 4. Ouais, non, mais vraiment, on est d'accord, le soleil, ça. Bah, je suis désolée, entre l'hiver où t'es blanc comme un cul au bout de ta vie et l'été où t'es en mode waouh, slay! Moi ça va bien. Ouais, franchement, le soleil, manque de soleil. Bon, là il y a des orages un petit peu. J'ai pas trop allumé, enfin j'ai pas ouvert ma chambre aujourd'hui, juste un tout petit peu derrière comme vous pouvez voir. Et ici j'ai pas du tout ouvert.
Il fait 26,7 dans ma chambre. Lis-moi l'avenir, ouais, lis-moi l'avenir. Regarde de rat, ma biche. Ça va pas, Mia. Vraiment, il y a des haters. Coucou, Anna, comment ça va? Coucou, Daphnis. T'avais un Kili secret? Ah, non, j'avais pas un Kili secret. Je m'en sens, si, quand j'étais petite, quand je suis allée à Paris, quand j'avais 8 ans ou 6 ans, je sais plus. Je suis allée à Paris et on m'a acheté comme un Kili secret. Oh, faudrait trop que je le retrouve, je crois qu'il est chez ma mamie. Il y avait un truc de cheval et tout. Je m'en souviens, oh my god. T'avais un mot de passe. C'était tellement la belle époque. Coucou Angel Safe. Lis-moi l'avenir, go voir Simpson. Tellement. Ouais. J'aime beaucoup. J'ai hâte que tu achètes ta caméra, tu achètes quoi, hein? Coucou Elio Innocenti ou Innocenti. Oh, une belle coupe de cheveux. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'est vraiment Mireille Mathieu avec un mélange de One Piece. Oui, désolé s'il y a de la pub. Mais si vous voulez pas de pub, vous vous sub. Oh, merci Louis, j'avais pas vu. Merci beaucoup pour le raid. Vous êtes pas obligé de vous raid. Vous avez compris, bref. Merci beaucoup Louis pour le raid, c'est trop gentil. Bah, merci de me raid en retour du raid que je t'ai fait. C'est adorable, vraiment. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et coucou Loévan, comment vous allez? Faut arrêter les... Il y en a sur TikTok, vous vous abusez. Hello, coucou de ceux qui arrivent en fait. Je suis partie du mieux que je peux. Oh, c'est adorable, merci beaucoup. Adorable, adorable, vraiment trop gentil. Ça fait plaisir. Ta chambre est toute rose. Ma chambre est un minimum de... Ouais, j'avoue qu'il y a un peu de rose. J'ai pas allumé mon... J'ai mis une guirlande autour des trophées, mais vous voyez pas. Ouin, ouin. Can you kiss, can you get... Oh, punaise, mais la coupe, elle me cringe. À l'aide. Oh... Mon haut, il vient de Bisbee. Non, de Jennifer, je pense. Mais je l'ai eu il y a genre 3 ans. Bon, bah, on va rentrer. Coucou. Désolée, je fais pas de live en duo. Je suis désolée. Quand j'aurai ma paye. Madame, c'est quand vous avez votre paye? C'est pas la fin du mois. Enfin, après, ça dépend. Ça dépend des gens. Par exemple, moi, genre, j'ai la paye le 23. Et TikTok le 30. Et Twitch, Twitch c'est une fois tous les deux mois. Hein. Bisous, pas de soucis, bon après-midi ou bonne soirée. Je ne sais pas si c'est la soirée ou l'après-midi. Entre le 1 et le 5 normalement. Ah ouais. Fin de mois. On joue à Animal Crossing pour ceux qui veulent venir. Merci, vous êtes mimi. N'hésitez pas à venir sur Twitch, le lien est dans ma bio. Hop là, je vais me poser comme ça. Voilà. Oh, alors, bon déjà on va changer cette coupe qui est juste mais affreuse. Affreuse, affreuse. Je crois que je joue, ouais, je joue exactement à Fortnite là, je suis en train de faire top 1, j'ai pas votre temps, I'm sorry. Merci, c'est gentil. Snap, on peut faire des groupes de 200, ça me fait penser au jeu Mario Party, on va être jusqu'à 20. Mais go faire des jeux Mario, ça va être trop bien. C'est un peu comme Fall Guys, on était 60. Oh mais quel bordel. Coucou Frenchie, est-ce que c'était ton anniversaire hier? Il me semble bien. Et si c'est le cas, je te souhaite un joyeux anniversaire en retard. Quand même, un peu de politesse. Oh my god. Je suis Mireille Mathieu. Non mais moi j'aimais bien les deux petites coupes. Oh. D'accord, j'avais pas vu cette coupe encore. Et bah, joyeux anniversaire en retard. Souhaitez tous joyeux anniversaire à Freshly dans le chat, s'il vous plaît. Très important. Ah, on dirait mon cousin, il a exactement cette coupe de cheveux. Ce soir, je paye l'online trop bien. On va profiter. Ah, par contre, les sourcils, ils sont hideux, faut faire quelque chose. Ça fait un peu fermier, j'aime bien. Oh, mais c'est trop chou. Je sais pas du tout quoi mettre. On dirait Jean-Jacques des montagnes, c'est-à-dire. Bande de rageux. Celle-ci, j'aime bien. Génial, ça va. Ouais, c'est bien ça. Vous êtes des gens polis. Oh, mais c'est trop moche ça. Bon, je vais aller au sort de votre fée. Bah, je vais dire ça à toutes les personnes à qui c'est leur anniversaire aujourd'hui. C'est vrai qu'hier, c'était l'anniversaire aussi de ma mademoiselle Soso. C'est l'anniversaire aussi de... Mais tout le monde est né le 27. L'anniversaire aussi de Mathilde. Tonygram Mathilde, s'il y en a qui connaissent. C'est l'anniversaire de trop de gens que je connais. Pas pire que le 24 et 25 avril. Tout le monde est né le 24 et 25. Ah là là. Je viens d'arriver en voiture, vous rentrez, pas de soucis, bon courage à toi. Avec la chaleur là. Oh, mais regardez ce qu'il y a.
Des fossiles, des fossiles. T'as acheté où tes fleurs? Trop belles comparées à moi. Mais non, les gars, les fleurs, elles viennent de... Bon, t'en as sur Amazon et sur AliExpress. Let's go. Est né en juin, en avril et en mai. Juin, avril, mai, c'est vraiment là où les gens sont le plus nés, je trouve. Oh, c'est la... C'est le truc ruban. Ruban Muren, il y a un bail comme ça. Ah, je connais personne par contre qui en a en fin d'année septembre, je connais pas. Octobre... Si, octobre, j'ai ma cousine anglaise. Normalement, vous le savez, mais j'ai une cousine qui est anglaise. Qui habitait... Scotland. J'ai plus le mot. Bref, vous avez compris. Elle est née en décembre. Ouais, elle est née le combien? Elle est née le 14, 15. Mais je connais plein de gens qui sont nés entre le 11 et le 15 décembre. Beaucoup, beaucoup. Alors, je sais pas pourquoi, mais ok. Le 14. 14 mars, c'est trop bien. Ceux qui sont nés le 1er avril, ils doivent être choqués. Non, moi, j'en connais deux. Lucas et Baby Love. Ah ouais. Donc quoi si j'en connais... Oh, mais qui va acheter ça même? Hier je suis allée chez Sephora, j'ai vu une nouvelle brume, elles sont trop bonnes. Ah, c'est lesquelles? C'est les brumes de Janeiro là. De Janeiro, un truc comme ça. Moi j'ai la numéro 68, je crois. Elle est trop bien. Elles sont le fruit du dragon, mais quelle pépite. J'adore. En Écosse, merci, merci de me traduire parce que j'étais en mode... Oui, elle habite en Écosse. Mais genre, j'ai une cousine, elle est de 89, donc elle a quel âge? Non, elle est pas de 89, elle est 91, quelque chose. Elle doit avoir 31, quelque chose comme ça plutôt. Pas que je la vise non plus. Moi, j'ai la... Et je sais qu'il y en a une au caramel, enfin un peu vanille caramel, j'ai envie de les acheter. Arrêtez, j'ai envie de les acheter en live. Calme-toi, Charline. Mais j'ai la rose... je sais que j'ai vu aussi la... Il y a aussi les crèmes qui vont avec. Bon, après, je suis pas très crème. Moi, je suis plus dans ma petite brume et tout qui sent bon. Oh, c'est Mimi, ça, une petite ombrelle. J'adore. Des tulipes. Et j'en ai assez, des tulipes. Des anémones. Attends, anémone. Oh, putain, je vois ma grosse tête, là. Anémone, assez. Ouais, est-ce que c'est... Non, j'en ai déjà plein. Merci, bon lurk. Bon lurk à toi. Ah ouais. Bon, on va acheter... Oh, ça c'est pas mal, j'aime bien le mur ouvragé. Mais let's go. Parfum à l'eau de rose. Ouais, moi je suis plus une petite brume un peu fraîche qui sent... bon. Voilà quoi. Bisous à ceux qui partent et bonjour à ceux qui arrivent. Hop les... J'achète plein de trucs à la tort, faut que j'arrête hein. Un mur chez Jim, c'est Mimi ça. Ce soir Malika. Ce soir nouvelle vidéo, ouais. Hop les... Du coup mardi je peux pas vraiment bosser parce qu'il va, installer la clim tout le matin. C'est chiant que c'est le lundi, c'est le mardi. Je réfléchis parce que du coup niveau planning... Ouais normalement c'est bon. Bisous tatamine. Hello Yumi, comment ça va? Et coucou, bah coucou Ambline, je crois que j'ai déjà dit bonjour. Bienvenue à tous ceux qui arrivent en fait. Bon week-end ou vacances, bien sûr, bien sûr. Pas de message aussi débile, s'il vous plaît, par pitié, réfléchissez. Hop là. Abraham, je pense que j'ai bien fait de le mettre tout en haut, ça fait un peu le mood de la montagne. Des soupes avec de l'herbe et des feuilles et des cailloux comme j'étais petit. Oh my god, mais moi c'était pas avec ça, moi c'était genre des shampoings et tout, je faisais une potion magique quand je prenais mon bain, vraiment. Moi ça va bien, c'est gentil, j'ai juste un peu chaud, il fait 26,9, voilà, il fait très chaud. Mais t'inquiète, on est là. Sauf que j'ai découvert que j'avais pas de short. Donc je vais encore devoir me trimballer en jean. Coucou Rip Prezat, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Oh, les chats, ils me font trop de la peine à avoir si chaud. Ah bah viens, on va changer la tenue quand même. Let's go, tu avances vite dans le jeu, tu trouves? Moi je trouve pas du tout. Genre j'ai toujours pas commencé la déco, ça fait plus d'un mois que j'ai le jeu. Bon après j'ai quand même un peu avancé pas mal de trucs, mais bon. Aline apparemment, elle est sortie de l'alopécie. Elle est sortie de... Relis-toi, je n'ai pas compris. Comment ça vous critiquez la bande de fous? Comment ça vous aimez pas ma
préfériez la coupe de Mireille Mathieu, je le sais au fond. C'est très mimi ça, j'aime bien. Oui, oui, alopécie, c'est des problèmes de cheveux. L'alopécie, c'est comme ce qui... Ah, punaise, j'ai plus le nom. Ça m'énerve quand ça fait ça. Le patron du parti politique Horizon, j'ai plus le nom, l'ancien premier ministre, je l'ai sur le bout de la langue, si vous pouvez me rappeler. Ça m'énerve quand ça fait ça en live quand il fait chaud. Il a de l'alopécie, et il a eu aussi le vitiligo. Edouard Philippe. Allez, faut que ça remonte, hein. Edouard Philippe, ouais, c'est ça. Il a le temps que ça remonte au cerveau. Mais ouais, l'alopécie, c'est quand tu perds tes cheveux, ou tous les... Enfin, en fait, les poils du corps, quoi. Tout, genre les cils, les sourcils, tout. Mais c'est pas dangereux et tout. Et il avait aussi le vitiligo, genre quand sa barbe était un peu blanche. Ça me fait penser, dimanche, allez voter, hein, n'oublie pas. C'est le seul argument politique du... Oh là là, magnifique. On va mettre des petites lunettes de soleil, la chaleur au secours. Mais j'ai trop chaud, hein. Moi, je crève de chaud. Vivement que j'ai la clim, je l'ai mardi. Faut que je change à tout prix cette... Mais y a rien qui va avec. Oh, mais c'est mimi, ça. Ça va parfait, en fait. Ça fait des petits beignets. Mimi. Bon lurk. Les wifi gratuits, plus puissants que ma peau. Mais tu t'attendais à quoi, Claco, en même temps? Ah, je t'attendais à quoi, celle-là? Ah, pauvre. J'aime pas trop. Peut-être en violet, ça ira mieux. Je sais pas, j'arrive pas à apprécier. Oh non, c'est pas très beau. Bon, tant pis, on va rester sur ça. Un lurk, c'est quand tu informes le streamer que tu es sur le live, mais tu ne parles pas dans le chat, tu mets le live en fond, etc. Coucou, je te suis de YouTube, mais je savais pas que tu faisais des lives sur Twitch. Eh bah, bienvenue, Cici, je fais des lives Twitch depuis 2 ans maintenant. Je live plus trop sur YouTube, comme t'as pu voir, parce que je préfère liver sur Twitch. Wesh, canapèche, coucou Nina, comment ça va? Twitch, c'est ultra chill, hein. Franchement, c'est juste du bonus quand je m'ennuie, ou enfin, c'est du bonus très régulier, mais tu vois, c'est un petit truc en plus. Non, j'ai pas vu dire ça de... Tout le monde en dit du bien. Ouais, que j'aille voir Vice Versa. Il y a aussi le film Un petit truc en plus, qui est pas mal d'après ce que j'ai entendu, d'après ma famille. Mais mercredi, je sais pas trop si je live, vu qu'il y a le Tour de France, et que le Tour de France, il passe à 13h et les poussières, et peut-être que je vais être à l'après-midi avec mes cousins. Donc peut-être que je liverai plus tard, ou peut-être un autre jour. Mais bon, le Tour de France, vous doutez bien que c'est important. Vous me verrez passer à la télé, je suis sûre, je me connais. Je vais mettre ma chemise rousse bien fuchsia, comme ça vous me retrouvez. Parce que c'était trop drôle, le Tour de France, c'était vers Courchevel. Genre, il y en a plein qui m'ont envoyé la photo parce que vous m'aviez vu et tout, dans le fond c'était ultra drôle. Mon code de Nerik est en description de mes vidéos YouTube. J'ai perdu mon île Inuyasha. Mes voisins ont... Mes voisins? Je change de voisin. Comme l'année dernière. Non mais l'année dernière, je passais 3 fois la télé en vrai. Tous en cuisine, à Paris avec Cyril Lignac. J'ai fait, bah du coup, M6. Ouais, mais il y avait un reportage. On me dit merci qui? Merci Nerik, parce que c'est grâce à lui. Et du coup, le Tour de France 2 fois. Non, en vrai, le Tour de France, c'était dans le fond, quand vous m'aviez vu au village de fin. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, quand ils arrivent, quoi. Plus... bon, plus le lendemain, quand c'est passé en bas de chez moi. C'est bien parce qu'ils passent en bas de chez moi à chaque fois. Ils partent d'Italie pour le Tour de France et ils passent dans les Alpes parce que c'est un peu la route mythique des Alpes. Comme ça, ils douillent bien dans les montagnes. Trop beau ton collier. Oh, arrête, c'est trop gentil parce que c'est moi qui l'ai fait, comme une langue. J'ai acheté sur Amazon des colliers de perles de différents trucs et j'ai rajouté des petits... des trucs là, en bas. C'est joli. Merci. C'est grâce à tes vêtements roses qu'on t'avait... Mais je vous ai dit, hein. Cette chemise, c'est ma chemise pour être vue. Oh, rose, c'est ma propre. Elle est trop belle. Ça te va bien les débardeurs. Merci Nina, c'est gentil. Bah, en même temps, c'est la première fois d'année que j'en mets parce que bah, on se doute bien qu'avant, il faisait mauvais. Il faisait froid, c'était pas l'été. Là maintenant c'est trop l'été, il fait 27 dans ma chambre. 28, ah, 26. 8 plutôt. Il y a Momo qui est en train de décéder le pauvre. Momo, t'as chaud. Hein.
Alors, on va expertiser un fossile, je vous parie combien que ça va me dire « Oh non, le fossile !» Et coucou Fleur, comment vas-tu? N'hésitez pas à redire bonjour si je vous ai pas dit bonjour, je vous promets que j'ai rien contre vous. Parce que des fois, il y a des streamers en mode « Pourquoi tu me dis pas bonjour? T'as un truc contre moi ?» Alors que non, je vous promets que non, pas moi. En ce moment, je suis dans mon Ah bah pareil, bah voilà, non, dans le même délire des bracelets. Charine habillée en noir, c'est vrai aussi Daphné, c'est vrai que c'est... La première. Non, hier, hier c'est justement dans ma story Insta, j'ai dit « Je suis habillée en noir, c'est choquant. » C'est vrai que ça, bah du coup j'étais dans mon era. Oh non! Et si j'ai un truc d'ankylosaure, c'est bon. Ouf. Il fait beau parce que chez moi c'est la tempête. Bah ça va être la tempête bientôt. Surtout que dans le département d'à côté en Isère. Bon, vous avez vu à la télé. Coucou Léo Div. Je sais pas comment on dit, mais bienvenue. Coucou M73000. Est-ce que t'es savoyarde? 73! En enterrement. Non, tu sais, même pour un enterrement, j'étais en bleu marine. Ah non, non, moi, bien en noir. Je trouve ça triste d'être habillé en noir. Oh non. Enfin, ça me va le noir. J'ai redécouvert que ça m'allait, mais... Je sais pas. Mais par contre, il y a un truc que je pense qui peut être cool, c'est quand je suis habillé en noir, c'est vraiment genre faire plus les yeux, genre faire un truc un peu plus dark au niveau des yeux, ça peut être pas mal. J'ai deux eras, l'era pailleté blanc et l'era dark noir. Merci, c'est gentil. Je m'habille pratiquement jamais en noir, moi non plus. Contrairement à ma mère qui s'habille tout le temps en noir. Genre moi habillée en noir. Très peu. Et bonsoir Lydie. Ah putain, j'ai une crampe sous le pied. Oh. Oh, les crampes au mollet aussi le soir, je suis en mode non. Momo il est en train de rêver, il bouge comme je sais pas quoi, il fait... Il tremble. Quand il fait chaud, le noir, c'est l'enfer. Ouais, aussi. Bon, là, ça va. Parce que c'est un... Comment on appelle ça? Un top tube, genre... tu vois, c'est avec des bretelles. Mais je peux enlever les bretelles, genre, ça tient tout seul, quoi. C'est un truc très, très moulant. Mais c'est vrai qu'avec la chaleur... Oh là là. Par contre, j'ai bronzé, je crois. J'ai la marque de bronzage, vu que... Bah, il y a mon nombril qui a l'air littéralement... J'ai une trace de bronzage, le top. C'est abusé. Parce que tu bois pas assez. Non, jure, je sais que je bois pas assez. Je sais bien que je bois pas assez. Mais j'ai acheté du Oli, ça m'aide un petit peu. Je savais pas, j'ai encore du lait. C'est vrai que j'avais plus de lait à la maison, mais si, j'ai carrément un truc de lait entier. Je vais pouvoir reboire du lait. Par contre, si vous êtes en carence d'un truc, comme moi avec le carence et le calcium, du lait avec du Oli, c'est trop bon. Vraiment, j'adore. Ah dites-vous, il y a une semaine, j'étais en train de chialer parce que j'ai appris que j'avais l'ostéoporose. Vraiment, là, il y a une semaine, j'étais en pleurs. Et là, je me dis, putain, une semaine plus tard, je suis en mode, waouh, tout va bien, chill. Oh, quelle vue. Oh là là. Ça fait du bien. J'ai mal à la gorge et je n'ai pas de médicaments chez moi. Qui a une astuce? C'est vrai que sur TikTok, on me demande si quelqu'un a une astuce quand on a mal à la gorge et qu'on n'a pas de médicaments. Prendre du miel, peut-être, des trucs sucrés, doux, mais pas trop sucrés, pas non plus que ça décape le gosier. Laissez passer. Ouais, c'est vrai aussi, il faut attendre, des fois c'est chiant. Stop, tu l'avais l'année dernière. Ah, mais je l'ai depuis 2021. Parce que j'ai mes flashbacks de Snap et il y a 2 ans j'étais habillée pareil. Vraiment. Non, mais c'est. C'est marrant, hein, c'est rigolo. J'ai recommencé mon île. Bon courage à toi. Et coucou, bienvenue. Ouh, masse, tu sauras. 3 ans du coup. Oh my god, arrêtez de me faire rappeler que le temps passe trop vite. Oh, j'ai un problème avec le temps. Le temps passe trop vite pour moi. Littéralement. Genre, quand on me dit le Covid c'était il y a 4 ans, non, c'était il y a 2 ans et demi. Voilà, 3... Non, mais tu vois. Pour les maux de gorge ou autres, on peut prendre du Ravinstara. Ravinstara, je ne sais pas ce que c'est, mais ok. Merci pour vos tutoriels. Merci Lina, c'est gentil. Vous aussi, vous êtes trop beaux. Vous êtes des BG extra. Il n'y a pas de différence entre prendre un médicament pour des rhumes. Ah ouais? Quel thème pour mon île? Franchement, moi je fais un thème norme corps. En gros, je me prends pas la tête, je fais un thème sans triche au fil des saisons. Et je prends mon temps, et c'est vraiment le meilleur des thèmes. C'est un peu, tu vois, une petite perme, une petite ville tranquille. Momo, il crame de chaud là. Il y en a qui parlent d'autres langues dans le chat. Coucou Evafa, Eva, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Hop là. Ah, demain c'est le jour des courses. Vous avez des trucs que je pourrais acheter, genre des aliments d'été
pour me mettre dans le mood de l'été. Déjà, faut que j'achète des petits suisses, c'est trop bon. Des fruits secs. Fruits secs, petits suisses, chocolat. J'abuse avec le chocolat. Concombre. Ah non, faut que j'achète de la salade grecque. Genre la petite salade de pâtes grecque parce que ma mère, elle a tout pris pour le sport, donc il n'y en avait plus. Et j'étais triste et énervée. Merci. Si on l'a fait, comment? Bah tu prends un autre compte. Je fais à chaque fois des nouveaux comptes. Des épices à tagine. Ah, oh, mon père adore le tagine. J'en ai mangé il y a pas longtemps. Est-ce que la quatrième, c'est bien? J'y passe cette année. La quatrième, ça va. C'est une année assez cool, assez chill. C'est une année où tu grandis. C'est une année... Niveau cours, ça va. Je n'ai pas de souvenir où c'était si compliqué que ça. Après, c'était il y a quand même... 6 ans? Il y a 6 ans? Venez, on est dans le déni. Merci, c'est gentil. Lapin de jardin. Ah oui, c'est ce que j'ai commandé au DLC. Hop là, on va prendre mon meilleur arrosoir. Je me suis toujours pas... Est-ce que j'ai encore l'arrosoir? Non, j'ai pas l'arrosoir or. Non, parce que j'ai toujours pas rendu mes... Bah, ce que je me suis donné vers le début du jeu. Sur notre île. Coucou Clo, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Qu'on est 4 sur 5, comment je vais pour... Putain, je vois pas le chat en entier. C'est quoi ça encore? Pour aller sur Snatch si j'ai pas de place à dire, Lina. J'ai pas compris ton problème. Troisième, le brevet, les stages. Le stage, trop bien. Parce que moi j'ai fait un stage dans un truc qui me plaisait, c'était dans le domaine du graphisme, donc forcément ça m'intéresse. Des pipas? Mais c'est quoi des pipas? Pipa, c'est de la nourriture? Je connais même pas. Peut-être ça va me dire un truc quand je vais y écrire, attendez. Pipas. Les graines salées, c'est ça? Oh non, ma caméra elle est partie en vacances, attendez, je la remets. Grosse folle, tu te reconnectes, caméra? T'as pas à faire ça. C'est bon, désolé, ma caméra elle est partie en vacances comme nous. Elle avait besoin. Des graines de tournesol, ok. Mais en fait avec mon père on mange... Enfin on a quotidiennement des cacahuètes salées, des fruits secs à la maison, donc et aussi des abricots secs. Donc en soi c'est un peu le même délire. Ouais, c'est des graines de tournesol. Si, du coup, je vois bien ce que c'est. Mais on a déjà un peu ce truc pendant l'année. Ouais, la cam est partie en vacances. Du coup, tes peluches, je les appelais comment? C'est Joséphine. Il y en a qui me disent, ouais, Charine, pourquoi t'achètes des peluches? On va se battre. Laissez-moi avec mes peluches. Combien de peluches? De toute façon, quand on est triste, c'est la meilleure thérapie du monde. Parce qu'à la limite, de personnes sur un âge, c'est 4. Non, c'est plus. C'est plus que 4, Lina. Il y en a qui peuvent en avoir jusqu'à 8 si j'ai pas d'utilisé. Il y en a, ils ont vraiment... J'ai déjà visité des îles, c'est le bordel, il y a trop de trucs. Non, non, tu peux avoir plus. Qui habite à Genève ici? Pas moi. T'as déjà goûté des takis? C'est le truc ultra... S'il y en a qui se souviennent, c'est le truc ultra piquant que je goûtais des fois en live et j'étais... Et tellement c'était piquant, j'avais... Ça me faisait couler le nez. Ah, c'était horrible ce truc. Donc oui, malheureusement... Et j'ai plus tout le truc piquant du takis encore dans ma coiffeuse parce que c'était tombé un jour. Vraiment aucune chance. J'ai peut-être joué Animal Crossing il y a un an et là tu viens. Mais let's go rejouer. Fragile, comment ça fragile? Tu veux qu'on se batte? Tu as des recommandations de boissons? Je suis pas du tout sponsor, mais ma passion, le Holy. Donc j'ai acheté du. Tiger, Tropical Tiger en x10 et j'ai acheté le pack de découverte. Le mangue, je suis pas sponsor, hein. Le mangue il est pas assez, enfin moi je mets beaucoup de holy pour que ça ait du goût, il est pas très prononcé en termes de goût. Par contre celui que Cohen m'a proposé c'était le Lime Mint Matcha, il est pas mal. Et il y a aussi le matcha, des fois je fais un mix genre eau pétillante, matcha et holy. Enfin moi je fais toujours des potions magiques parce que j'ai arrêté de prendre de la limonade puisque ça me déshydratait plus qu'autre chose et vu qu'on est en été. Bon. Je fais un vlog. Ouais, ce week-end, je vlog. Ce week-end, je vlog. Je vais vlogger un peu les élections. Peut-être un petit peu les dépouillements. Enfin, peut-être pas forcément directement le dépouillement, mais je vais un peu parler comment ça se passe, le dépouillement, tout ça. Mais j'ai pas... Enfin, jamais de la vie, je dirais, politique. Parce que la dernière fois, je devais faire le dépouillement et que j'ai pu plus le faire. J'entends, merci. Tu vas où cet été? Je pars une semaine ou... Enfin, je pense
15 jours à cette maxime. J'ai trop hâte. Mais j'ai pas envie de partir 15 jours parce que 15 jours pour moi c'est trop. Barose correctement. J'y suis pour le taf toute la semaine. Ah ouais? T'es à Paris? Bah mon père aussi, tu vois. Hop là. Ah oui, en plus, il va dormir dans l'appartement de ma cousine à Paris, mon daron. Et j'aurais bien aimé. C'est Nintendo qui m'invite au musée d'Animal Crossing à Paris. Enfin, je crois que c'est une collaboration avec un musée. Mais ils prennent pas les billets de train en charge, donc ça me fait un peu chier. Et j'y serais allée que pour une journée. Enfin, pour une soirée toute seule. Je sais pas. Une mise à jour sur Animal Crossing, tu ajoutes quoi? Du multijoueur. Oh my god. Viens ton collier. Arrêtez de me. Ah, ça me fait trop plaisir parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. C'est un collier, j'ai acheté les perles sur Amazon. J'ai choisi les petites compos et tout. Quand ça? Vendredi soir, je crois, c'est le 5. Vendredi 5 au soir, il me semble. Enfin, je regarde. Sinon, si tu veux regarder, c'est sur mon mail. Tu peux checker dans mes boîtes mail. Pour voir toutes les infos. Ah bah pas de chance, je rentre. Ah bah merde. Ah bah shit. Je vais checker, ouais, comme ça t'as toutes les infos. Parce que je vais pas dire en live. Alors du coup, toutes les informations perso, je vous les donne. Coucou Mathilda, comment ça va? J'espère que tu vas bien. L'Italie pour un pays. Mais t'inquiète, c'est mieux qu'on se voie dans de bonnes circonstances à Toulouse, sur tes terres. Oh putain, le moufron là, on est où? Gros fou le moufron. Mais... Les gars, je vous fais voir, Maurice, il est affalé. Est-ce que vous voyez? Là, vous le voyez littéralement. Vous voyez un truc par terre gris? Hop là! Est-ce que... Non mais je suis trop mal cadrée! Ouah! Eh, là on est bien cadré, c'est bon. Me revoilà comme si de rien n'était. Et coucou à ce carré, coucou Samoussa, coucou tout le monde. Pourquoi tu mets des chiffres? Pourquoi mets des chiffres? Coucou Nelia, comment ça va? Hop là, let's go. Et un petit papillon bleu. Moi ça va bien, c'est gentil. J'ai mon nom qui est tout sale, vraiment. D'acheter un sablé au chocolat quand le truc est bien chaud, ça maman. Oh, une tortue peluche. Oh, si t'as Insta, tu peux me l'envoyer en photo comme ça. J'adore voir vos petits délires créatifs comme moi, c'est trop bien. Il y en a qui font des vaches. J'ai vu, j'ai une copine streameuse, enfin qui n'est plus streameuse, c'est Polar Biro, je ne sais jamais. Elle faisait des peluches à l'effigie des structures e-sport. Genre une peluche Kermin Corp, je crois que c'est ça le nom. En Belgique, il reste encore une semaine de cours. Oh bah bon courage, et vous avez pas des épreuves à passer? Parce que j'ai une abonnée du coup, Hello Happy, qui est aussi belge, et elle avait des épreuves. Hello Shadow Furious, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, merci pour le follow. Maman. Non, par contre les griffes sur le cou... Non, il est con ce chat. Oh Momo, tu te réveilles? T'as chaud hein. T'as chaud Momo. Oh, il me fait trop de la peine. Oh, bon courage, bah, bonnes vacances. Hein. Ceux qui sont en vacances, vous avez bien de la chance. Je parle comme si j'avais pas de vacances. Enfin, en soi, non, j'en ai pas, mais j'en ai pas besoin. Enfin, si, mais non. Ton chat, bah, il y a Maurice, Mignon et Grandi. Ah, pas moi, la dernière fois, qui envoie une grosse photo de mon chat. Je me trompe, j'envoie à Inarik au lieu de mon daron. Ah là là. Ça, c'est bon... Coucou Mine Japan, comment ça va? Moi ça va bing, et actuellement on arrose des fleurs. Vraiment t'as dû dire mais qu'est-ce qu'elle fout l'autre. J'ai reset mon liste après-midi, j'aurais pas dû. Mais non, t'inquiète. Non, t'inquiète, M, franchement ne regrette pas. Parce que tu. Bah, au lieu de ne rien faire sur Animal Crossing, là tu vas être productif, tu vas te dire j'ai plein de trucs à faire, tu redécouvres l'aventure, t'as des nouveaux habitants, donc non, prends ça comme quelque chose de positif. Est-ce que t'es déjà allé à la cathédrale Saint-François de Sales? Alors non, Blind, je n'y suis pas allée. Mais bien sûr que oui, je connais. Je sais même pas où est la cathédrale. Par contre, je connais le collège Saint-François de Sales, mais j'y étais pas. Ah, oh, c'est beau ce que tu dis.
Et merci pour ton follow, j'ai envie de t'appeler Emma Chips, alors je sais que c'est pas ça ton pseudo. Sacha Métrovel, merci. La semaine prochaine... Ah ouais, vous avez encore? Bon, c'est bientôt les vacances, de toute façon. Et les Belges, vous reprenez quand les cours, comme les Français, ou vous faites comme les Américains, reprendre mi-août? De toute façon, les... je sais que les Italiens ils terminent début juin. C'est tellement chaud, vous vous rendez pas compte. C'est comme, vous voyez, je suis partie en Grèce, maintenant en Grèce il faisait 45 degrés. À l'Acropole où j'étais, ils ont dû le fermer tellement qu'il faisait chaud. Heureusement. Je vais au restaurant, je dis pas de soucis, Ambline. Bah, bon restaurant. En soi, je m'appelle Emma donc c'est pas long. Ouais, on va t'appeler Emma Chips. Georgia Senel. Oh, trop bien. Pas de soucis, à tout à l'heure, Nao. Merci Valentine, c'est gentil. Mes petits Joy-Con d'amour. Tu sais que c'est mon rêve, c'est d'aller au Corée du Sud. Oh, je veux trop aller en... Corée du Sud. En ce moment, j'ai un délire à regarder des reportages sur la Corée du Nord. Je trouve ça passionnant. Je suis là, je regarde, je suis en mode... Waouh, c'est intéressant. Bon après c'est pas un lieu où j'irai en vacances hein, pour des raisons assez évidentes. Mais c'est super intéressant ce pays, tu te dis ok, c'est un autre délire. Je fais des conventions Lina si tu souhaites. Je fais Lyon, je vais essayer Toulouse, Reims normalement. Coucou Cheta, comment vas-tu? Comment t'as fait les sortes de dalles par terre? Bah c'est moi qui les ai faites littéralement. Faut que je vous poste mes patterns, je crois que je l'ai même pas fait la dernière fois. Faudra que je vous poste mes petits patterns. Comme ça, vous aurez accès à tout. Mais si tu parles des dalles que j'ai faites, regarde. Tu peux screener pour les refaire si tu souhaites, ou sinon tu pourras prendre les miennes. C'est moi qui ai fait. Moi, je suis allée au Japon, ma gueule. Oh my god, je suis jalouse. Je sais qu'il y a Nintendo Store, je crois que c'est qu'on appelle comme ça, où il y a tous les produits dérivés de Animal Crossing, et je suis là en mode... Si je serais là-bas, j'achèterais tout. Je sais qu'il y a la collection... t'as la vaisselle, t'as la théière, t'as... Bah après, les stylos, je les ai déjà. Mais bref, il y a tout. Tu vas à la Japan Expo? Je crois que la Japan Expo, c'est quand? C'est pas 13 et 14 juillet? Je suis pas là. Je suis à Sainte-Maxime. Le 14 juillet, je suis sur un bateau à Sainte-Maxime, Saint-Tropez, quoi. Donc, dites-moi, on va regarder la finale de la Coupe d'Europe. Ça en bateau, ça va être cool. Ouais, du 11 au 14. Ouais, malheureusement, je pourrais pas y être cette année. Et puis, c'est plus simple quand on est invité. Donc, j'essaierai peut-être l'année pro si je suis invité. Tu fais un live TikTok en même temps? Ouais, pour ramener les gens de TikTok sur Twitch. Venez, le lien est dans la bio. Et bon, Lurk. Alors, ça déjà, c'est fait. Qu'est-ce que cette fantaisie? Paris Games Week, j'espère trop. Eh, tu vois, Lone, j'ai bien fait de te forcer. Hein. Mais Paris Games Week, ça tombe quand? Je crois qu'en plus, il y a déjà la billetterie pour la Paris Games Week. Ça tombe... Je crois... Oh putain, désolé. C'est ma faute. J'ai cliqué sur un truc. Ça, c'est moi, par contre, pour le coup. Pardon, désolé. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une fausse manip. Psy. C'est bon, on n'a rien vu. Tes cheveux... Merci, mais mes cheveux ils sont pas très ouf, mais avec le soleil ça va aller un peu mieux je pense. Et puis même je prends des, comment on appelle ça, des blissimes, pas des blissimes, des lachis les beauty là, je sais pas quoi. Alors. Voilà. Date PGW. Et Paris Games Week, parce que je peux y aller moi. C'est le combien? 2024 hein. On parle bien de 2024. Ah ouais, c'est le 23 et 27 jusqu'au 27 octobre. Y'a qui va à la Paris Games Week? Je pense qu'il y a toute la team Animal Crossing qui vont se retrouver là-bas, et comme ça, bah, on se revoit encore. Genre tous les streamers de la commune. Mes cheveux, ils deviennent moins beaux perso. Ah non, moi, au contraire. Ah non, en plus, ça fait des petites mèches blondes, mais au soleil, c'est bien. Moi, j'aime bien. Mais ça, c'est le 4 mai. Bienvenue, Charlie. Mange un peu, ça fera pas mal, c'est-à-dire, Charlie. Oui, tu peux venir VIP grâce au point de chaîne. Ouais, vous pouvez venir aussi sur Discord si vous souhaitez. N'hésitez pas. J'espère qu'il y a des beaux petits meubles. Merci Laïna, c'est gentil, vous êtes trop mimi.
Oh non mais j'adore. J'ai fait un... J'adore de... Ciné... Non mais j'adore, wesh. Oh! Bah tiens, Charlène. Mais Charlène, elle est rococo et moi je suis tout l'inverse. Merci Mimine. Mimine ou Mimin? Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Enfin, j'arrête avec cette musique, mais elle est trop bien. Samusa, pourquoi tu mets des chiffres dans tes messages? Je comprends pas. Mais oui, c'est que les gens qui sont follow la chaîne Grain de Vigne. Ouais, let's go. Let's go. Et bon luck Daphné, c'est bon luck Moshi. Merci pour les follow. Vous êtes des BG. Tu te rappelles de moi? C'est-à-dire? Dans quelles circonstances? Oh, Coco, ça va, tu peux t'en sortir. Oui, t'as plein de meubles déjà faits, hein, mais... Pas mon mood, quoi. Disons les choses. Non, désolé, je fais pas de live à deux. Oh! Il y a... Boum, 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 boum. Non, il y a plagiat de GG. Attendez, je suis trop mal cadré, faut me le dire. Mouin. Mais pourquoi vous mettez des chiffres dans vos messages? J'arrive pas à comprendre. Pour que je vienne dans vos villes pour les conventions, n'hésitez pas à DM vous les comptes Instagram des conventions pour dire « Eh, nous on veut cette madame !» Comme ça, bah, des fois, ils peuvent se pencher sur notre cas. Ils ne savent pas taper au clavier. Mais je comprends pas, c'est un nouveau cheat code ou quoi? J'avais encore jamais vu ça en live. Enfin si, mais pas autant. Ah bah bienvenue Charline, tu as un très beau prénom. Franchement, les gens qui s'appellent comment? C'est beau. Let's go. Oh, j'ai comme les muscles coincés, c'est-à-dire Serenity. Ah, faut boire parce que, comme les gens m'ont dit, si t'es tout raide, c'est peut-être que t'es déshydraté. Ou peut-être que t'as fait un faux mouvement. Mais j'avoue que t'as fini en plus de crampes quand tu bois pas assez. Peut-être qu'ils sont trop jeunes pour utiliser le clavier d'ordinateur, ils devraient être bannis dans le chat. Vous avez quel âge dans le chat? Putain, cette mouche. Oh, je me fais agresser par une mouche. On est où? Mais quelle belle chose. Let's go, I'm here. La musique la plus stylée. Mais je trouve que c'est la musique la plus stylée en fait. Tout va mieux. Vous avez vu, j'ai fait un speedrun, c'est faux. Qu'est-ce qui m'envoie le monsieur? Parce qu'il sait très bien que j'étais en pause. Gros fou, quoi. Peut-être qu'il envoie des dingueries. Oh, attends. Pareil à travailler. On va travailler. Ouais. De ton propre Twitch. C'est-à-dire le son de ton propre Twitch. Ah. C'est-à-dire qu'on m'entend en double. La musique slay. Mais c'était pour que les gens de TikTok, ils entendent. Ils sont tristes. Je voulais faire profiter de cette musique mais absolument mélodieuse à tous. Merci pour ton follow, Pellet. Et coucou Jojo, bonjour Charlie Ellie. J'aime pas te rendre triste les gens, du coup je regarde ton strip comme ça, ça fait plaisir à une personne. Mais c'est trop mimi, mais c'est adorable, bienvenue, j'espère que tu vas t'y plaire. Merci pour le follow, c'est adorable. Merci, c'est gentil. C'est mimi tout plein. Alors, du coup, on fait quoi? Camping, somptueux, pêcher, glace. Oh my god, toi! Hello Bellette, comment ça va? Tu avais une tétine petite? Non, moi j'ai sucé mon pouce jusqu'à ma première dent perdue, donc à 6 ans. Parce que vous voyez, quand on était petit, enfin, tout le monde a dit ouais, faut pas sucer son pouce, sinon tu vas avoir les dents de travers. Et j'ai arrêté de sucer mon pouce dès que j'ai perdu ma première dent, mais vraiment du jour au lendemain. Bah, vraiment mes dents, bon. Mais dites-vous, dans le ventre de ma mère, je suçais déjà mon pouce. On était déjà foutus, en fait. Et je sais pas. Mais mes dents, c'était un bordel, parce que ma mâchoire trop petite, comme ça, au lieu d'être comme ça. Mes dents, trop... Enfin, j'ai des grosses dents, donc... Mais quel bordel. Ah non, mais je vous ai dit, hein, moi, c'était un délire. Donc j'ai porté un appareil dentaire pendant... un bon bout de temps. J'ai aussi une bielle dentaire, un peu. Comment vont tes chats? Bah Maurice il dort sur mon lit là chaud, Minou et Gandhi dormaient en bas, ils crèvent de chaud. Mais on a la clim mardi. De base je devais l'avoir aujourd'hui la clim.
Mais c'est chiant quand c'est en plein milieu de la semaine comme ça, parce que moi je bosse. Bah après c'est pas grave, je suis une chômeuse, je vous rappelle. J'aime trop ton style, merci. Tu dois pas te faire opérer de la mâchoire. Bah du coup pour les dents de sagesse, littéralement. Oh, quand j'ai fait mon rendez-vous chez le dentiste, le mec a pris 2 minutes. 2 minutes pour les dents, il a fait... Ok, tout va bien. D'accord. Mon chat est trop beau. Mais vous voyez même pas mon chat. Ce qui est bien, c'est que Maurice dort littéralement sur mon lit. Mon lit qui est pile en face de chez ses propriétaires. Ah là là. Et voilà. Perso, mes dents sont droites comme jamais. Alors qu'il y a même pas un an, j'avais les dents du bonheur. C'est beau les dents du bonheur. Donc je sais pas pourquoi. Bon après, des fois, ça se remet tout seul. Mais bon, moi... Bon. Moi, c'était un délire. Hein. Ah, moi, c'était un délire. Bon, je sais pas si c'est plus gros délire que mon père qui avait une dent qui poussait dans son palais. En gros... Alors, je sais pas si c'est normal. Non, c'est pas normal. Mais mon père a une dent de lait encore qui n'est jamais tombée. On va savoir pourquoi. Et donc, sa dent définitive a poussé dans le palais. Ils ont dû lui arracher la dent définitive. Il avait un trou dans le palais. Elle était soudée, littéralement. Et ça pissait le sang partout sur sa chemise. Oh. Aïe, aïe, aïe. Parce que nous, on est des rebelles. Pas les maisons. Nous, on veut des meubles. Pour les remettre droite. Mais moi, en plus, j'avais une orthodontiste absolument horrible. Mais quand je vous dis horrible, elle était odieuse, méchante, et elle était pas du tout douce avec moi. Et moi, j'avais besoin de quelqu'un d'un minimum doux, et là, non. J'avais aussi une dent dans le palais. Lui, il était en anesthésie locale, donc il a bien tout senti quand même. Je joue Animal Crossing. Ah, mais il est où, Mantin, ce con? Mantin! Un thème tropical, on avait parlé la dernière fois. Il y avait Agnès, il y avait Justine, il y avait Colette, il y avait Mounia, que j'aime bien, Monica. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que t'as bien douillé. Pas de commentaires comme ça, Lisa, s'il te plaît, c'est ultra respectueux. Une heure de live. Ouais, ça fait déjà une heure. On a fait la moitié du live. Mais il est où, Mantin? Libérez tous les Mantins. Non, je rigole. Il y a quoi ce soir à la télé à part du foot? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'ils font, là? Mantin! Tu vas live 2 heures? Ouais, je live 2 heures. Moi, je live pas plus. Mais énergie, Carlo-Jean. Tu crois pas que je t'ai pas vu, toi? J'ai vu sa grosse photo de profil. Massia, je vous vois. C'est beau, mais que c'est beau. Mantin, que t'évoquent les sons de la nature? Apprécies-tu autant que moi le chant de la vie? Et bien, je vous remets de midi, mais ailleurs, moi je suis à fond, hein. Tu crois quoi? Programme. Oui, il y a des priorités dans la vie. Programme TV ce soir. Il y a quoi ce soir à la télé? Calme-toi. Calme-toi. Ouais, il y en a sur TikTok qui sont un peu bizarres, on se calme. Camille et Image, Toulouse, Bordeaux. Ah bah voilà, je sais ce que tu as regardé. Toulouse, Bordeaux, Bègle. Mais il y a deux trucs à Toulouse. Du rugby et du rugby. D'accord. Moi sur Canal Plus et sur la France 2, il y a le même truc. Ils sont cons. Recherche appartement ou maison, boycott. Bah je sais pas ce que j'ai regardé, je pense que j'ai encore. Il y a Tintin. Il y a Tintin ce soir. Il y a pas Mask Singer. Non, c'est fini, non? Il y a du foot? Mais quoi? Non, non, il y a pas Mask Singer. Je regarde même plus, enfin je regarde pas la télé. Toulouse est la capitale mondiale du rugby. Bon, tu peux mettre juste la capitale mondiale, hein, toi je te connais. Ouais, c'est vrai. Hop, mais la mouche. M'entends? Bon, mais c'est vraiment un PNJ. PNJ, pardon. PNJ. T'es qui toi? T'es connu? C'est quoi ces gens sur TikTok? Non, c'est pas une blague, hein. Bah je sais bien quand même. Un minimum de culture. Sinon tu regardes quoi comme émission? Bah avant je regardais Koh-Lanta, je regardais Danse avec les stars et tout. Maintenant je ne regarde plus rien. Je pense que c'est moi qui n'en pouvais plus, mais j'ai complètement arrêté tout ce qui est émission télé. Je fais quoi le soir? Je joue Animal Crossing sur Lemonade jusqu'à à peu près 22h, 23h grand max. Et je dors. C'est bien, non? Et le matin, je me réveille à 6h30. Voilà, voilà.
Tu as déjà fait un room tour? J'en ai déjà fait plein des room tours. Ouais, il y a des gens sur TikTok, on se calme. Genre, il y a des questions aussi indiscrètes, tu meurs. Il y a Fort Boyard? Demain, il y a Fort Boyard, vous allez me dire? Non. Mais Fort... Alors, Fort Boyard, c'est par contre, c'est une des seules émissions que je regarde. Non, en vrai, l'année dernière, j'ai pas du tout regardé. J'ai regardé une fois, c'est tout. Mais Fort Boyard, je regarde depuis toute petite. Non, je dirais la seule émission que je regarde beaucoup, c'est les 12 comédies en premier degré. Et 12 comédies, j'emmerde le monde, c'est très bien les 12 comédies. Voilà. Les 12 coups de midi, ma passion. Si ce soir, il y a une nouvelle vidéo ASMR. Non, non, j'ai pas dit toi, j'ai dit une autre personne. Le Witcher, le Witcher... Oh, j'ai fait un accent, le Witcher, le retour de Willy Rovelli. Je ne sais pas parler. Ah, la cube. Mais clairement, ma passion, Fort Boyard. Je suis passe-partout de Fort Boyard, j'y mets de les casse-coups. Tu peux nous spoiler quoi? Ah, oh, merci, c'est gentil. Boum boum, ma vie, hein. Toulouse égale Lyon, le reste du monde. Mais ça va pas, toi, la dictature. Non, c'est vrai, quand Toulouse a l'air pas mal. Mes parents veulent y aller, donc. Tu vois, Toulouse, c'est un peu la même vibe, parce que truc touristique bien, comme Strasbourg, tout ça. Tu vois, c'est des grandes villes cool. Après, vous savez, ça va. Oh, je dis ça. C'est qui déjà, Willy? Oh, Alira, tu connais pas? Il y a Toulouse. Non, je suis pas Toulousaine. Toulousaine. Oui, je suis un petit peu parlé. Heureux, t'as encore envie que la coupe? Je suis dead, on le croit sous. Oh, jure, trop bien, Nini. J'espère que t'as demandé une photo, hein. Moi, je suis une. Moi, c'est. Alors, énorme fan, Mercotte. C'est bien aussi, Mercotte, parce que Mercotte, elle habite 10 minutes de chez moi. Elle est savoyarde. Et du coup, bah, par contre, ma mère l'a vu la dernière fois. Chez Cédric Pernaud, c'est un. Enfin, c'est un. Une pâtisserie connue chez nous. Et elle a dit à ma mère de prendre du flan. On a pris du flan, et c'était bon, le flan. Vous voyez, je vais faire un peu ça sur le thème normcore. Le mood est pas mal. Ouais, faut que je fasse un peu ça sur mon île. Willy... Ouais, Willy Rovelli. Ouais. Donc non, moi c'est Mercotte et Cyril Lignac que j'ai vu cet été et cet hiver. Bah Cyril, quoi. Et vous, Maywen, comment ça va? Après, sinon, il y a qui? Franchement, oui, une déco comme ça. Ouais, c'est un peu le mood que je veux sur mon île, tu vois. Utiliser le remodel, mini-ville, mini-village. Je pense que ça peut être une bonne idée avec quand même plus de meubles, mais il y a une bonne idée. Qu'à droite de l'île, ça soit la plage. Ouais, c'est con. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie d'Aloca. Je sais pas si je m'autorise à changer le remodel de mon île et faire un truc comme dans ce mood. Je me souviens de la photo Insta avec Cyril. Ah, mais elle est moche, mais c'est le souvenir qui compte. C'est archi long, remodel. Oui, c'est très long, remodel, effectivement. Oh non, bah bisous. Pique-nique sous la pluie. Claclou. Revisiter si tu veux. C'est-à-dire. Tout, tout. Bisous à ceux qui partent et bonjour à ceux qui arrivent, en fait. Faut que je parte de l'hôpital. Oh non, Alira, pourquoi? Bah bon courage à toi, j'espère que ça va bien se passer. Bisous, bisous. Je garde mon petit frère, mais c'est bien les petits frères. Ouais, Mime Japan, pas mal l'idée. Je note. Je crois que j'avais une story time par rapport à ma chaîne YouTube ASMR, mais j'en ai plus en fait. J'ai plus la story time en tête. Bon, ça devait pas être si intéressant. D'accord. Allez, super gentil. Bisous à ceux qui portent. Ah si, chez moi, il y a Léa et lui qui... Bah, Léa et lui, elle est savoyarde. Laissez-moi flex. Cette meuf est trop belle, je l'adore. C'est un peu notre influenceuse... Ah. Il y a qui de connu? Tu votes dimanche? Mais bien sûr, les gars, allez voter. Très important, allez voter dimanche. Et je vais au dépouillement. Donc je vais être spoil des élections dans mon bahut. Putain, moi avec passeport. C'est pas... Mais c'est trop bien, Nini. T'as le droit de flex pour Fort Boyard. T'as le droit. C'est très bien.
j'ai pas l'âge de voter. Bah faut attendre, mais ouais, allez voter. Coquille, pourquoi tu me poses cette question, ami? Pourquoi? Sacré fraîcheur. Bonjour, bonjour à tous qui arrivent. C'est Rosie? C'est Rosie, Marilou et Héloïse et Gradub? Nora? Ouais. Oh my god. Le bulletin de vote la semaine. Ah, oh, j'ai compris, le bulletin de notes. Je me suis dit, oh, bulletin de notes. Non, non, je pense que c'est bon. Mais vous avez vos résultats, j'allais dire Parcoursup, oui. Et vos résultats des notes, tout ça. Votre bulletin. J'ai rencontré la Médina, c'est possible. Est-ce que je te fais une dédicace? Parce que je sais plus. Enfin, j'ai ce jour, ces jours-là, il y avait trop de gens. J'étais. J'ai tellement enchaîné les photos et les dédicaces, c'était incroyable. Let's go. J'étais à ça des félicitations. Un peu la rage, mais c'est déjà très bien. J'ai fini les études. Ah, Nini, t'es une vieille, hein. Nini, tu veux venir sur Twitch, comme ça, pour discuter, c'est mieux. Comme ça, t'as l'écran et tout, parce que là, sur TikTok, c'est triste. Moi, je vous aime bien sur TikTok, mais il faut venir sur Twitch, hein. L'Italie. Ah, c'est bien, Smell. Et je passe l'année pro. Bah, trop bien. Mais en fille, ah bah peut-être qu'une personne va le savoir. J'ai des encouragements et je crois que je suis inscrite au lycée. Bah j'espère que tu sais que tu es inscrite, parce que si tu n'es pas inscrite, qu'est-ce que tu vas faire? Mais en tout cas, trop bien ceux qui ont eu les encouragements, les félicitations, tout ça. C'est quoi ton Twitch? Le lien dans ma bio. Regarde, tu fais toc et t'as le lien dans ma bio. Pour mon Twitch, comme ça tu pourras venir, c'est plus simple. C'est plus logique. Ok, pas de soucis. Merci. Le trio des gris sur YouTube. Ah vraiment, si on devait décrire les trois youtubeurs Animal Crossing et gris, c'est nouveau. Ah, j'ai trop hâte de vous sortir dimanche la vidéo « Que se passe-t-il si je change la langue dans Animal Crossing ?» Vraiment, j'ai mis en alors, j'ai marqué, j'ai regardé tout sur internet. Chinois simplifié, russe, portugais, mais vous allez voir, en portugais il y a eu un truc, et en néerlandais. Oh my god. Bon, ce jeu n'était plus, c'était plus Animal Crossing, j'étais. Et donc s'il y a en vrai des abonnés bilingues qui parlent, je sais pas, le chinois ou qui parlent d'autres langues, ça peut être trop drôle. Je me souviens que je t'avais connu quand tu dis on peut se marier sur SNH. Tu sais que je me suis mariée dans Animal Crossing il y a 3 semaines. Eh ouais. Merci Narik. Oh oui! En tout cas, je suis extrêmement contente aussi la vidéo de dimanche. Ça a tellement plu que se passe-t-il en 2061 dans Animal Crossing. Vraiment, la vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des. Je regarde plus tous les stats, hein, mais. J'étais en mode oh! Ça date! Merci! Hop là! Donc peut-être continuer mes petites séries de vidéos. Je parle coréen, tu vas essayer. Je connais aucun mot. Je connais juste les trucs en mode arigato, kawaii, wouhou, Blackpink. Grosse culture, hein. Bande de jaloux. Mais il y a un moucheron, je l'ai encastré. Oh, non. Je l'ai tué. Tout, c'est japonais. Mais... Laissez-moi, je suis bilingue, bien sûr. Bien évidemment. Oh, trop bien, les articles de look shopping. Let's go. J'ai tout compris. Tout à fait. Ah, c'est jour de paye. 15 000, ouais. Comic Chi, comment ça va? Et coucou. Af, F, H, G, F, J, Y, G, J, Y, F, J, Y, F, J, Y, F, H. J'espère que tu vas bien.
Non, on continue. J'arrive pas à écrire sur Twitch. Peut-être que t'as pas fait la mise à jour Twitch. Des fois, ça a fait tourner et mouliner le truc pour rien. Coucou, Ninines, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Oui, je suis sur Lil Monade. Je me suis fait piquer. Je me fais piquer par les trucs random. Oh, mais... C'est quoi, ça? Et... Dora! On va faire le petit Gordon. Vous savez que Gordon Ramsay, il a eu un accident, il a failli mourir. Il a eu un accident de vélo. Voilà, comme ça vous coucherez mon bête. On peut avoir le travail sur Animal Crossing sans le online, oui. Oui, oui, j'aime trop ton collier. Merci, c'est moi qui l'ai fait. Je sais pas si c'est toi qui m'as déjà dit tout à l'heure, mais merci. Depuis 4 ans, j'étais toujours pas bien. Oh, la honte! Il y en a qui regardent... Là, dites-vous, il y a des gens qui regardent mon live et ils ne sont pas abonnés. Vraiment, vous n'êtes pas abonné. Bah reviens mieux, Nini. Eh, tu vas voir, la qualité est mieux. Hein. C'est peut-être mieux maintenant. En tout cas, bien, mais coucou, merci Maïwan. Merci, merci pour vos follow. Tu as l'air super gentil. Bah, je pense que je suis gentille. Est-ce que je suis gentille dans le chat? Vous pouvez me dire si je suis gentille ou méchante. Les personnes qui diront que je suis méchante seront bannies définitivement. Dictature! Je rigole. Ou pas. J'ai 4 Switch. Ah bah voilà, merci beaucoup. Une bière plein pied. Bah merci, vous êtes gentil. J'ai acheté un coussin gâteau. Regardez comme il est beau. Et c'est bien parce qu'il prend tout mon dos. Parce que le coussin fleur que j'avais, il prenait pas tout mon dos. Donc c'était pas agréable. Là, on a une sur une... Détente au petit molle. Oh lolo. On est pas mal. Merci, merci pour la route. Thank you for the roses. Thank you for the roses. The ice cream so good. J'arrive pas à parler. Oula, mais bonjour. La maison est en carton pirouette cacahuète. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner, toi, avec ton jardin? Merci, Chloé, pour le follow. Oh, mais c'est mimi. Chérine est méchante. Non, je rigole. En vrai, mais je pense que je suis gentille. Non, par contre, je vous promets, je pense pas être le type de personne, genre, méchante avec ses abonnés. Enfin, je pense pas. Bon, après, des fois, oui, je lâche des vues, je réponds un peu froidement, je mets pas des emojis, mais ça va quoi, y a pas de méchanceté. Y a ma maman qui rentre. C'est quelle heure? 18h24. J'ai trop ça, ma DS a rendu l'âme. Oh, moi, même ma DS de 2009, elle fonctionne encore. Ah ouais, mince. Moi, ma DS qui était hack, bah du coup, je sais pas, elle est plus hack, la carte SD, je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Bon, c'est pas grave, j'y joue plus, mais... Je vais regarder Miraculous, t'as bien raison Nina. Je t'écoute tout en rangeant mon armoire hiver-été. Oh t'inquiète, je sais ce que c'est. Quand tu te dis, mais j'ai trop d'affaires, faudrait peut-être faire le tri. Mais ça veut dire que c'est l'été, donc c'est un bon signe. Bon courage à toi. Bon, j'espère au moins que je peux t'accompagner du mieux que je puisse faire. Et bah si tu l'utilises pas, donne-la moi. Non mais... Moi tout à l'heure j'ai construit le café. Moi j'ai construit le café. C'est tellement simple d'avoir de la thune dans ce jeu. Mais comme ça me permettra de débloquer plein de petits meubles en plus et ça va être assez cool pour le catalogue avec mon teint. Astuce que je n'avais pas encore utilisée jusqu'à là et... Bah vu que je joue sans triche, bah t'inquiète que j'avance pas les jours. Mais c'est vrai que j'ai jamais avancé les jours sur cette île. Cool, le vilain petit canard. J'aime ton pseudo. Camping. La mer. Moi, pour faire un truc un peu campagne, le rose. Agence décorative, bon après ça c'est bon. Bisous, merci d'être passé, bonne soirée. La mer. En plus, je peux changer les pokés en clochette. Ben ouais, mais j'aurais bien aimé que ce soit l'inverse, mais en vrai, j'ai pas besoin. On se fait une dernière petite maison, ensuite on va acheter le catalogue. Catalogue. Oh non, mais regarde-les au fond. C'est boum boum.
Oh, trop bien. Ah ouais, tu peux faire l'inverse? Mais comment on fait? Parce que des fois, je sais qu'on peut faire l'inverse, j'ai déjà vu, mais je ne sais plus. Je ne sais pas comment te dire. Oh my god, mes recommandations YouTube, c'est juste des trucs du code. J'en peux plus. Y'a qui sort des vidéos? Moi, le meilleur jour pour sortir les... Enfin, le meilleur jour sur YouTube, c'est le dimanche soir, y'a tout le monde qui sort des vidéos. Oh my god. Ça, j'aime. Y'a qui d'autre qui sort des vidéos? Oh, y'a plein de vidéos, en fait. Mousse. J'adore le YouTuber Mousse. M-O-U-S. Mousse. Mousse. Non, 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 non. Vraiment, il fait des vidéos sur les... un peu les dramas de YouTube, j'aime trop. C'est la machine qui permet de faire... De le faire au bout d'un moment. Ah, ok. Et coucou Mylene, comment ça va? Par contre, j'ai jamais compris pourquoi tu préférais Asena... Alors, j'ai pas dit que je préférais Asena à Senash, mais... Le online sur la DS était tellement mieux, genre t'avais l'île multi... Oh, pourquoi j'ai fait ça? L'île multijoueur, t'avais beaucoup plus de meubles, t'avais... Les habitants, ils étaient plus... ils étaient moins lisses, quoi, parce que... Le pire, c'était sur Wild World, ils étaient à deux doigts de t'insulter, les habitants. Vraiment, j'ai fait un truc de... De vacances et je suis à la montagne. Ouais, c'est Happy Home Paradise. Non, je fais pas de live sur mon île. J'ai le même haut que toi. Dans le vraie vie? Bienvenue dans la team. Non mais ça va pas te demander comme ça. Tu peux me donner ta console, s'il te plaît? C'est une expérience nage dans un aquarium. Ah oui, furet. Justement, on me l'a envoyé, c'est le fameux mail. Du musée Animal Crossing, non? J'ai envie de voir. Moi-même, ça me choque. J'ai deux choses noires. J'ai un t-shirt Calvin Klein et ce petit haut noir. Rien de plus. J'ai envie de reprendre les lives sur YouTube de temps en temps. Je sais pas. Qu'est-ce que tu m'envoies? Ouais, si tu veux, je te l'offre. Gratuit. Il m'envoie des conneries, lui. Il m'envoie des bêtises. Tu veux, je te donne tout. Je te donne ma vie. Bah, de rien. Ah là là. Let's go. Merci. Il y a des gens qui veulent trop que je fasse des lives ASMR et tout, mais les gars, c'est le soir qu'il faut faire des lives, et moi le soir j'ai envie de dormir. Après je peux enregistrer un live et le mettre. Quelle dinguerie. Coucou Natsumi. Natsumi 07, pardon. Des Poki, des Poki, des Poki. C'est des vrais des produits. On dit. Alors juste, on dit Gizou ou Gizou? Je ne sais pas déjà. On se calme. Donne-moi ta console, mais ça va pas. On se calme. Allez, on va faire fini pour ça. Bonsoir Lilio, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, bienvenue. Quoi? Bah oui. Gros fou, va. Il a fait un sondage, lui. Remporter des points de chat. Ah non, t'as fait une prédit. Oh, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait comme sondage, comme bêtise encore? Voir tout. Non, par contre, j'ai... Oh l'enfoiré. Il y a des modérateurs aussi énergicatures que ça. Ah là là, bah misez, hein. Vous verrez bien. Avec Jolie. Ah putain, j'ai envie de rentrer. J'ai avalé de travers. J'ai avalé de travers, ça m'a fait de l'air. C'est qui, énergique? Oh, tu sais pas qui c'est, Mona? Mona Lisa le caca, mais quel pseudo. Merci pour vos follow. Les modos, vous pouvez faire un sondage si Charline me donne sa dette. Mais ça va pas, mais on se calme, genre. Et du recul sur ce que tu dis, tu demandes à une streameuse. Tu peux me passer ta console, la donner s'il te plaît? Ma caméra, carrément, ma caméra elle est partie en vacances. Elle arrache quitte aussi. La caméra est de retour. Qui a voté énergique?
Ah mais c'est déjà fini la prédit? T'as fait une petite prédit toi? Hop les... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Parce qu'en vrai, il y a plein de meubles que je veux acheter, moi. Quelque chose qui fait assez genre norme corps comme je veux. Alors, j'ai acheté aussi les produits un peu pour la salle de bain. Parce que nous, on veut une salle de bain. Un grille-pain. Ah, on peut le custom, attends. Voilà, alors. Oh, il est trop mimi. Bon, on va rester soft en blanc. Coucou Sophia, comment ça va? J'espère que tu vas bien, bienvenue. Bonjour à ceux qui arrivent, comment vous allez les copains? Ah ouais, je m'en étais arrêtée par là. Ah, j'ai envie de prendre des bouteilles aussi. Petite bouteille en verre. Ouais, comme ça, verre, c'est pas mal. Bah, bienvenue à tous ceux qui arrivent, en tout cas. Des boîtes de conserve. Ah, ça, faut que j'en achète plein. Il faut que j'en achète un peu dans toutes les couleurs. Ah ouais, comme ça, c'est pas mal. Et après, je pense qu'on va être pas mal du tout. Nickel! Je vais voir s'il fait plus chaud dehors ou dedans. Maurice est en train de dormir un peu. Oh, chaud. Je crois qu'il fait plus chaud dehors. Oh non, il va tomber ce con. Maurice, tu vas tomber. Attendez, je vais voir. Ah, chaud, hein, Momo. Attends, Momo. Bah, t'es pas très collaboratif. C'est pas français. The Fendi, comment vas-tu? Momo, tu veux sortir? Ah, chaud, hein. Momo. Maurice. Oh, il est à moitié réveillé. Maurice, il a bugué. Il a mangé deux chats obèses, ce chat. Tu trouves? Il est pas gros, pourtant. Il est pas gros? En plus, il est tout... enfin, ils sont moches. Quand ils sont comme ça, l'été, ils mangent des lézards, donc ils sont tout maigres. Ah non, il va pas... enfin, il est pas au top. Il était plus beau cet hiver. Il fait 4 kilos... 5 kilos. 5 kilos, 5. Non, mais il a un an. Après, c'est un chat de race. Personne ne le savait. J'ai appris grâce à un fil TikTok que c'est un chat de race, ok? C'est un nébulingue. Toca Boca. Enfin, peut-être que... ouais, un jour, je teste... j'avais dit Toca Boca, Zepeto... Roblox, fallait que je teste les jeux comme ça, que j'ai jamais pu tester. Beau petit chat, hein, Momo, t'as chaud. Hein. Beau chaton. Alors, au niveau de mes fleurs, je les ai pas rosées ici, mais fallait me le dire. Zepeto, ça existe encore. T'as joué à Zepeto en 2018? Moi, j'ai joué au tout début quand c'était encore safe et tout, c'était pas trop kikoulol. Maintenant, c'est devenu. Vraiment, c'est comme un peu Gacha Life. Je vois des shorts YouTube de gamines de 12 ans. Littéralement qui n'ont rien à faire, même 11 ans sur la plateforme, qui font des TikTok avec leur personnage Zepeto, c'est un délire. J'ai une ex, elle m'avait fait installer Zepeto, c'était pipo pour quelques photos. Ouais, c'était mignon au début. Zepeto, moi j'étais là quand c'était la traîne en 2018, c'était ultra tendance. Après, j'ai arrêté comme beaucoup et oh my gosh. N'importe quoi cette application un peu. Ah mais Zepeto, mais c'était tellement tendance à l'époque. Hein. Ouais, 2018, c'était le moment. Un peu le même mood que la photo la plus likée de Instagram quand c'était l'œuf. Il y en a qui se souviennent, mais là je vous débloque des souvenirs. C'est cette époque-là, quoi. Je sais même pas ce que c'est cette appli. C'est une application où tu crées ton petit avatar comme tu veux et tu pouvais être en ligne et tout. Ouais, non, mais j'y jouais avec ma copote à un moment. Et tu pouvais faire des photos, t'avais ton petit appartement, des mini-jeux, c'était mignon. Après, c'est parti en couille. Oui, là, c'était incroyable, mais c'était trop bien. Il y avait du merchandising et tout sur ça. Mais je crois que maintenant, la photo la plus likée. Ah non, j'ai rien à dire. La photo la plus likée sur Instagram, c'est. C'est Messi. Coupe du monde 2022. Bon.
J'ai jamais joué à Toca Boca. Moi j'entends ça quand vous dites le nom. Moi j'ai énormément joué aussi à Pixel Gun 3D, s'il y en a qui connaissent, c'est Minecraft version Fortnite. Bon, oui, c'était à quoi? Est-ce que aussi vous avez un chat sphinx? Attendez, ce chat se met en position. Est-ce que vous voyez le sphinx? Là. Genre il a les deux pattes devant comme ça. Attendez, je vous fais voir. Voilà, normalement vous voyez. C'est un sphinx le truc. Et c'est un égyptien. Je sais pas ce qu'il fout. Demain il y a pas voyage. Ouais! Enfin une bonne nouvelle dans ce monde de brutes. Je joue à Toca Boca. J'ai trop la musique dans la tête. Il est comme ça. Vraiment, il est comme ça. C'est le seul chat à faire ça. Hein. Non, le chat de ma grand-mère, avant, il faisait ça. Bon, paix à son âme. Hein. Il est plus de ce monde. Je l'aimais trop, son chat. Putain! Pardon. Hein. Qui joue à FIFA? Bon, j'ai jamais joué à FIFA. De toute façon, j'ai jamais joué aux Sims. Enfin, une fois. Rapidement. Mais je joue que les trucs Nintendo. J'aime trop tes vidéos, t'as joué à Tomodachi Life. J'ai poncé Tomodachi Life en 2015, bien sûr. Tu mettras Momo à la place du sphinx, ça passera crème. Ouais, je vais y mettre sur Insta, comme ça les voisins vont bien voir la photo, ils vont bien rager. En mode, mais c'est pas notre chat. Non. Ouais, vas-y. Je pense qu'ils ont abandonné, ils sont jamais là. Et c'est un peu triste pour les enfants, parce que bah c'est leur chat. Mais Maurice, il aime pas les enfants. Dès qu'il les voit, il court, il fait un sprint, il vient se cacher. Il préfère nos chats parce que bah Minou, le chat roux, il est vachement plus affectif maintenant. Donc il va plus vers les autres, je les comprends totalement. Bah oui, normal. De quoi, le chat ou les gosses? Il a bugué. Maurice, il est comme ça. Il a bugué. Le chat qui fuit les enfants, bah... En même temps, c'est des enfants en bas âge, genre 7 et 4 ans. Et c'est pas des enfants calmes, c'est des enfants hyperactifs. Donc bon. Et ils le prennent pour un jouet. Genre vraiment la petite qui voulait le chasser comme un Pokémon avec son filet. Pas faire. Mais du coup, voilà. Momo, il est bien avec nous. Mais là, il a plus de batterie, il est hors service. Hop là. Est-ce que j'ai arrosé les fleurs ici? Les manettes d'accessoires, j'ai acheté sur AliExpress. Tu marques custom Nintendo Switch manette. La meuf, elle arrose les mauvaises herbes. Mais tu sais, Yo-Yo, alors à chaque fois j'ai l'air con parce que je suis censée vous apprendre des choses. J'ai appris que quand on arrosait les mauvaises herbes, ça les faisait grandir, elles changeaient. Oui. GG moi. Je ne savais pas. Peut-être que vous non plus. Oh, j'ai plein de roses! Désolée, je fais pas des lives où j'ai les îles des autres, désolée. C'est le feu sur une île. Mais les mauvaises herbes, surtout les schistos. Les schistos, c'est gars, trop ma passion. Mais il y a certaines mauvaises herbes qui font vraiment comme un petit champ, des petites rêves, c'est trop mimi. Ça ajoute, ouais, c'est ça. C'est super mimi. Dans un champ, ça fait un peu un petit potager. Mais vous avez vu, trop des big brains ici. J'ai appris ça grâce au guide d'Animal Crossing. Il est bizarre ce chat. Maurice. Ce qui est marrant avec ce chat qui est à moitié endormi de la vie, c'est que quand il est à moitié endormi et qu'il se réveille, genre quand je le prends, on dirait qu'il est mort. Je le prends comme ça, il est... Ah là là, c'est un chat pâte à modeler. Moi je fais ça avec Gandhi, Gandhi... Oh, je vous ai pas dit ce matin, j'ai failli perdre Gandhi. J'ai un rebord de fenêtre dans mes escaliers et il y a un toit sur le côté. Bah devinez le con qui est passé par le toit. Bah lui. Et en plus il voulait suicider, il voulait sauter. Je disais non Gandhi, saute pas, saute pas. J'ai appelé ma mère et tout en panique. Ma mère elle me répond non. Je suis dans la salle de bain, j'entends pas. Le chat était à deux doigts de se suicider et toi t'es là en mode non. Voilà, donc Gandhi il s'est paumé sur le toit. Et le pire, c'est lui, là. C'est le gris qui est à moitié endormi. Comme vous savez, mes chats, ils passent sur le muret pour aller dans le toit. Enfin bref, c'est un délire. Et donc, ils passent comme ça par le toit pentu.
Genre, il passe de ce toit-là au toit de l'autre côté comme ça. Et il saute sur le toit de ma voisine. Il a perdu une vie. Non mais grave, là, il lui en reste plus que... Il doit pas lui rester beaucoup, hein. Il a 14 ans le truc, mais... Ah là là. Pour virer les habitants moches, ma technique c'est... Bah déjà, il y a Gertrude sur mon écran. MDR. Mais ne pas leur parler, mais cette folle, elle veut rester. Non mais je vous ai dit, mes chats c'est des fous, entre les chats pâte à modeler, les chats qui se barrent des vrais propriétaires et les chats qui veulent crever en sur place. Ah, c'était de la fenêtre de ma chambre qui était à l'étage. Non, après ça m'est déjà arrivé une fois que Gandhi saute de ma mezzanine sur mon lit. J'ai entendu un gros boom un jour. Bon, un chat ça retombe sur ses pattes, ça va. Mais Maurice, y a pas de... Fais tes griffes sur... Il fait ses griffes sur mon pouf. Non, non. Mais il est mou ce chat. Coucou Snexy, comment vas-tu? Sur le balcon jusqu'à 23h. Oh non, mais il y a trop de story time pour les chats. Hello à tous ceux qui arrivent, bienvenue. Minou, on le voit pas trop. Ouais, Minou, il est. Voilà, il dort en bas. Mais c'est plus un chat d'extérieur. Ne vous inquiétez pas, hein, il est pas loin. Là, nickel. Il est plus discret, exactement. Mais on est d'accord que les chats correspondent grave aux propriétaires. Genre, Gandhi, il a le mood de ma mère. Minou, le mood de mon père. Et Maurice, un peu plus mon mood, vu que c'est le plus jeune. Je sais pas, alors. Tel maître, tel... Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve ça tellement vrai. Mais elles sont pas... Ah si. 21h et des poussières ce soir. Allez hop. Ouais. Ouais. Meneur attentionné. Dans ce live, on est allé sur le DLC, on a fait la petite routine sur Animal Crossing... Et là, je suis en train de continuer un petit peu mon bazar. Mais la tenue est très chou, mais ça va pas trop. Je pense qu'au niveau des sourcils, il y a un problème. C'est trop strict, je dirais. Ah, il faut qu'on aille sur l'île de Amiral, Charmin. Parle français, s'il te plaît. Peut-être c'est une île à requin. Non, je rigole. T'as déjà joué à Stumble Guys? Jamais. C'est un peu comme Fall Guys, non? Je regardais tes YouTube shorts. Eh ben moi ça va bien et toi? Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais aller là. Débardeur sale. Bah c'est un peu comment je suis habillée aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est pareil. Sindhu, elle dira là. Mais qu'est-ce que tu dis toi? Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Ah là là. Tes motifs à scénage sont magnifiques, c'est quand que tu vas les publier? Mais pour les publier, j'ai pas besoin de mettre à jour mon île. J'aimerais aller voir Risette. Risette. Bon, mais. Layette. Je joue Animal Crossing. Ah non, c'était un truc que j'avais pas, quel con. Oh, en plus, c'est bah, au live dernier, mercredi, il y avait un requin. J'ai paniqué, j'ai défoncé le requin, j'ai appuyé sur A trop vite. Je crois que je suis pas faite pour les requins. Hein. Enfin, je suis pas faite pour la pêche. Moi, je suis plus team chasse et surtout crustacé. Bon, par contre, si ce con il se lève, je l'encastre. Pardon. Pardon, désolé pour la grossièreté, mais j'en peux plus de ses habitants. Oh, le cliché, ça va faire une belle miniature. T'as plein d'arbres à clochette, mais j'ai que ça à faire. J'ai déjà fait des events en live, des. Comment on appelle ça, des événements caritatifs. On m'en a proposé un au début juillet, mais déjà j'ai préféré dire non parce que c'était peut-être quand je partais en vacances, mais je pense que non. Et je suis... Physiquement, je tiens pas. Je tiens pas les lives comme ça. Genre liver toute la journée, physiquement je ne tiendrai pas. Genre là même pour... Là ça fait quoi, 1h42? Pour moi là c'est très fatigant pour moi de liver, même si c'est qu'1h42. Hein. C'est beaucoup. Live pour les 300k, mais bien sûr. Enfin, un live d'un fan, on avait fait 12h. Hein. Enfin, un live 24h bientôt. Je rigole. Dans 4 jours, c'est mon anniversaire. J'hésite à prendre soit la OLED. OLED. Prends la OLED. J'ai la OLED. Entre une normale et la OLED, c'est le jour et la nuit. C'est ton anniversaire, c'est pas toi qui paye. Donc, OLED.
prends la OLED. En ordre. Tu vas voir la qualité, la taille, c'est parfait. Oui, j'ai 19 ans. Oh, c'est comme la personne qui m'a vexée, qui m'a dit « Charline, t'as 16 ans. » J'ai 19 ans, laissez-moi. Je vous rate à la gueule. Oh, ça change d'habitude. Non. C'est quoi? Oh non! On est bientôt en juillet, faut payer l'URSSAF. J'ai l'impression que je paye l'URSSAF tous les mois. Ça me saoule. On va partir à Dubaï. Et merci le bosseur pour ton follow. Bienvenue! Pourtant, le temps passe vite ou pas? Mais c'est horrible, le temps passe de plus en plus vite. J'en ai marre. Et ils font plus jeune que leur âge, oui, surtout moi. Parle-moi d'un truc! J'aime beaucoup la luminosité actuelle là sur l'île, un peu le sunset comme ça, c'est mimi. Je joue à Fortnite, je fais top 1. Oh le soleil! C'est beau! Très belle luminosité. Oui. Hop là. Ah mais attendez, faut peut-être que je pète un pan. Alors, j'ai pas fait parce que tous les jours je change l'emplacement de mes habitants. Qu'est-ce qu'on change aujourd'hui? On va changer la maison de Jackie, tiens. Merci à ceux qui se follow, c'est trop mimi. J'arrive pas à faire pousser mes arbres, mais faut juste attendre et ils poussent, t'inquiète. Ils poussent tout seuls tes petits arbres. Hop là. Vous allez voir, ça va être so cuticute. Et non so cuticule. À des 30 juillet d'avoir les requins. Mais les requins, c'est déjà disponible depuis début juin. J'ai eu 2 requins. Non, je mytho, j'en ai eu un. Je mens, pardon. Et tu joues sur quelle plateforme? Sur Nintendo Switch, sur Animal Crossing New Horizons. Ouais, requin si. Moi je vais bien, c'est gentil. Ah, mais j'ai pas du tout fini ma routine du jour, attendez. Oh, les clôtures rondins. Ouais, clôtures rondins comme ça, c'est pas mal. Ah, il y a maman qui est rentrée. Coucou Camille, comment vas-tu? Le thème de mon île, c'est Normcore. C'est un thème assez simple, là, où j'utilise le remodel. Petit village, je me prends vraiment pas la tête, je triche pas, je fais moi-même mes patterns. Donc, très chill. Hop là. Le thème des feignasses gros fou, va. Ça va pas te dire ça. Un peu. Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Ah, une pergola, ça peut être pas mal. Ouais, une pergola, ça, c'est beau. Hop là. Momo, tu te réveilles? Regardez, je vais vous montrer à quel point ce chat, il dort. Momo! Genre... Il est tout mou. Oh, tu ronronnes? Fais de l'ASMR. T'es beau. Allez. Ah là là, mais vraiment, je l'ai posé et je vais... C'est quoi ce chat? Trop beau ton chat. C'est pas totalement mon chat, mais merci, c'est gentil. Tu fais des overlays sur quoi? Mais c'est moi qui les ai faites. C'est moi qui les ai faites. Sur CapCut, mais je vais demander... Oh merde. Je vais demander bientôt à une graphiste professionnelle pour que ça soit bien beau. Les taupières, c'est pas mal ça. Les réverbères, très important. Le chamallow, exactement. Merci, c'est gentil. Tu peux les montrer? Montrer quoi? Une poubelle, ça fait bien dans le thème norme encore. Faut que j'aille sur Pinterest me faire un mood board pour mon île. Je me suis fait une to-do list aujourd'hui. Attendez, alors, est-ce que les TikTok sont faits? J'ai fait le montage, j'ai fait la vidéo ASMR, j'ai fait ça, j'ai fait fiche, câble, ordi. Ah mais ça j'ai fait. Ok, ça c'est bon. Ça c'était avant-hier, enfin non c'était hier la to-do list. Début, fin, pause, je cam. Speak France, non comprendo sur language, but understand. Mon chat aime trop le balcon. Moi aussi, ils aiment bien le balcon.
Sauf que quand le gris va sur le balcon et que ses vrais propriétaires sont en face, bon. Il y a des gens trop jeunes sur Snapchat, mais sur plein d'applis, mais Snapchat, c'est vraiment, c'est l'application du... Oh non, j'ai plus... désolé, mon live TikTok, il s'est arrêté d'un coup, j'ai plus de batterie, j'avais pas vu. Désolé, TikTok, ils se sont arrêtés. Repose en paix. Sorry, TikTok. Plus de batterie, je vais mettre en charge, j'arrive. Pas douée cette Charline quand même. Bon allez, oh y'a bébé Gertrude, elle est trop mimi Gertrude. Bonjour Gertrude, comment ça va? Hop là, bonjour bonjour. Bonjour bonjour. Je m'entends en double, ta gueule Charline. Je m'entendais en double, j'étais mais... Hein? Quoi? Ah je vous ai perdu, c'est bon d'être là. J'ai perdu mon chat. Bon ça c'est bon. J'étais en pyjama toute la journée. Oh mais comment tu peux rester en pyjama alors qu'il fait trop chaud? Bon après ton pyjama il est... C'est genre un short et tout, ça va. Ah oui il fallait que je fasse ça. Tu as acheté où ton collier? J'aime trop. Oh merci, c'est moi qui l'ai fait. Moi qui l'ai fait comme une grande. Et vraiment vu que c'était trop chiant à fermer, j'ai mis deux fermoirs. Comme ça bah, je ferme dans le fermoir. Mais c'est pratique, au moins c'est plus simple. Merci. One Galaxy, tu peux arrêter de forcer s'il te plaît, c'est agaçant, merci. Bon allez là. Oh là là, j'ai trop envie de jouer à Animal Crossing, mais genre de faire un moodboard Animal Crossing. J'ai trop hâte. Un petit moodboard thème normcore pour un peu avoir de l'inspi. Mais bon, vous connaissez, hein, de toute façon, je prends une idée sur Pinterest, et pas, ça, la fin c'est pas pareil. Parlons infrastructure, on va rajouter potentiellement une rampe. Les ponts et les rampes, c'est pas mal. Va construire un pont, tiens. Tu vas aller à la Japan Expo? Non, comme j'ai dit, je ne peux pas. Moi, il me faut le pont en pierre. Je mets pas mal de ponts. Pour que ce soit un minimum stylé, j'espère que ça a bien fonctionné, mon idée. Merci Camille, c'est gentil. À propos de ma maison. Parlons infrastructure, tiens. Let's go! Ça passe vite, une année. Ça passe très vite. Beaucoup trop vite. Merci beaucoup, Camille, pour ton follow, c'est gentil. La maison de résidence. On va faire la maison de Jacques. Parce que Jacques m'a vu. Il manque Michel. Quoi? À la mairie! Je pense. À la mairie! Ah parce que mon père n'est pas là. Bah attends, on est quel jour? Ouais on est vendredi, il doit être à la mairie. Let's go. Allez, on y go. Faisons la petite maison. Mais bienvenue. En fait le collier, j'ai mis un... Oui dans le sens déjà. Et j'ai mis, c'est une petite étoile je pense que vous voyez ici. Étoile de mer, et j'ai rajouté 2-3 petits trucs parce que j'en avais marre des colliers tout simples, donc j'ai mis avec de la colle forte. Genre un nœud. Mais je pense que je vais pouvoir en faire toutes les couleurs des petits colliers, ça va être trop bien. Go lancer un business de bracelet de collier. J'ai aussi le délire d'avoir fait un bracelet de téléphone. Je trouve que ça va pour un premier bracelet de téléphone. Coucou Clémence, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Actuellement, nous jouons à Animal Crossing. Je tente. J'essaye. Je fais de mon mieux. J'aime trop quand je m'entends double, c'est trop drôle. Crossing. Rebienvenue Nao, comment revas-tu depuis tout à l'heure? Bientôt 2 heures que tu arrives. Ouais, je pense que j'ai un petit peu continué à arriver puisque bah j'ai que ça à faire. Voilà, littéralement. Non mais c'est vrai. Fallait que je mette un pont. Le mot pont est drôle déjà. C'est quoi ta cam? C'est la Geosmo Pocket. C'est une caméra de vlog que oui j'ai mis pour ça. Et alors, mais qu'est-ce que ça fait? Ah mais attendez, je vais pouvoir mettre un pont ici. Ça peut être pas mal. Parce qu'attendez là j'ai 2 ponts. J'ai 3 ponts. Je pensais que j'en avais plus. Bon, Gertrude, tu dégages.
C'est bon, moi j'en peux plus de celle-là. Grosse folle. Alors, ici... Mais c'est mon frère qui a la Switch. Mais tu t'en fiches, tu vas te battre, tu vas récupérer tout de suite la Nintendo Switch, tu vas dire, là c'est mon moment, c'est à moi de jouer Animal Crossing. La rivalité entre frères et sœurs. Un peu drôle quand même. Je vais mettre le pont plutôt là. Quitte emplacement pont. On va construire ici, tiens. Ah, c'est pile la bonne taille. Imaginons, ouais, on va imaginer ici. Tu connais la chanteuse? Mais bien sûr, heureusement, les gars. Ici, c'est parfait. Oh, ça m'a détruit de péché. Mais c'est pas grave. Pourquoi il y en a qui ressemblent à quelque chose? Mais arrêtez! Bande d'obsédés. Mais je me suis déjà fait cette réflexion et je me suis dit, mais j'ai pas le droit de le modifier vu que c'est la remodie de base. Shine me like a diamond. Shine me like a diamond. Shine me like a diamond. To shine me. Pardon, mais là c'est bon, vous m'avez perdu. Petit pont. Petit pont de beurre, quand des petits pots de beurre ils. Petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre ils auras-tu, je me des petits pots de beurre ils auraient, quand tous les petits pots de beurre sont des petits pots de beurre ils auront. Eh. Ça c'est une phrase que j'avais appris au collège en 4e. Je m'en souviens. Donc petit pot de beurre ils aurez-vous. Je la mets où la maison de Jackie par contre? On dit shine me like a diamond. À l'aide. Mais si, je mettrais bien une rampe, mais non. J'ai déjà mis une rampe ici. Rampiche. Oh, j'ai dit rampiche et il y a Jackie qui dort. Animal Crossing met les travaux pour les JO. Bah là, c'est Animal Crossing, on dépense 3 milliards pour l'eau de la Seine, tu vois. Là, on est en train de faire l'eau de la Seine. L'espagnol, on avait de très bonnes moyennes. Habla ce spagnolo, ce franchisé, ce. Espagne. C'est la musique de Amine. Nanana, nanana, nanana. Cette musique, elle me hante. Ah non. C'est trop mal positionné, c'est quoi ça? Et qui m'a envoyé? Mais qui l'a envoyé? Je vais la mettre plutôt par ici, la maison. Ça sera plus adéquat. Quelle connerie t'as encore écrit, toi. Sommes-nous qui va aller se baigner dedans? Oh my gosh, le droit. Je peux pas faire plus droit. Et merci Artie pour le follow. Il y a plein de sapins, bah normal, on est au nord. Oh non, on est en montagne. En montagne. Montagne. Montagne FM. Montagne FM. Bah, c'est pas mal comme ça. La maison de Jackie est placée. Après, il me restera plus que 3 ou 2. Merci pour le polonie. Attends. Ah bah ouais, 3. Mm-hmm. Ça fait quand même pas mal. Merci beaucoup pour le follow. Ah bah tu te réveilles toi, Jackie. Popote. Je l'avais sur New Leaf. Donc en vrai, Jackie, je pense que je peux le garder. Ça fait quand même beaucoup d'oiseaux. Hein. Parce qu'attends, sur New Leaf, j'ai le souvenir sur ma première île vraiment safe place que j'ai eue en 2014. J'avais... Pourquoi j'ai supprimé cette île? C'est trop con parce que du coup, j'avais plus accès en rêve onirique. Parce qu'on a changé les rêves oniriques en 2016. CapCut qui m'envoie un message. On est où? C'est quoi ton dernier vlog? Bah, tu regardes sur ma chaîne YouTube, c'était il y a pas si longtemps. Il y a un vlog qui sort mercredi. J'avais Gérard, Mina, Jackie, j'ai eu Roscoe, j'ai eu Stekos. Mais c'était, je vous parle d'un truc, c'était il y a 10 ans, les gars, je m'en souviens. J'ai eu Amande ou Cachou? Je sais plus. Amande ou Cachou, j'ai eu Truffa, non c'était le cochon noir, c'est Truffa ou c'est Rosie? Trop de mémoire mais vous avez compris. J'ai eu Rosalie aussi.
Mais je me sens en plein habitant. J'ai aussi placé sur Wild World. Hello Julio, grand Claude, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Welcome Atsuki arrive, bonjour. Hop là, mes petites fleurs, est-ce qu'elles sont... Bon, elles sont arrosées, j'ai peur. Alors, au niveau de la pelle, c'est bon. Au niveau de la hache, elle a des puces, elle? Oh, la puceuse! Non, la pisseuse, la crasseuse. Oh! Dégoût! Berk, berk, berk. Ici, je pense que je vais plutôt mettre du remodil. Let's go to the city, j'ai Mirza. Ah, oh, Mirza, jamais trop. Oh, Anonyme Crossing, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Mais bienvenue en fait. Comment ça va? Let's go. C'est beau, c'est beau. Alors, on va mettre celui-ci. Ça sera plus joli. Voilà. Et merci beaucoup Lilou pour ton follow, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Il y a, et il y a aussi Miss Tigre et Coco, de tes habitants. Mais Tom Nook, j'en peux plus, vraiment, c'est impossible. Comment on fait pour faire un follow, Omblin, je sais pas si t'es follow, mais t'as juste à cliquer... Ouais, c'est bon, t'es follow. T'as juste à cliquer sur le petit endroit violet. Sur Let's Go to the City, mais c'était incroyable. Bah bonnes vacances Lilou, profite. Vous êtes en vacances jusqu'à septembre normalement. Trop bien, bah profitez hein, parce que là pour le coup c'est cool. Sans bac, sans collège, sans lycée, sans études supérieures. Les vacances. Hop là. Je vais y arrondir parce que ça me stresse un peu. Aussi que je mette un pattern transparent, puisque si j'ai pas le pattern transparent au niveau des repousses, c'est un peu le bazar. Bon, après, je suis pas obligée de mettre un motif transparent parce que je veux que ma ville elle vive un peu. Ah, ouais, ça va être pas mal. J'aime bien l'entrée, c'est joli. Il joue sur la scène. Oh non, Gabi, faut prendre la Switch ou la prochaine console qui sortira dans 14 milliards d'années. Mais t'inquiète, on est là. Opéli, je crois. Oh, ma phobie, Elisabeth là. J'adore le live. Ouais, j'ai pas envie d'arrêter. Tout de suite. On continue. Continuons à live en fait. Nous continuons à live jusqu'à 23h, c'est beau. 19h30. Enfin, jusqu'à que mon père revienne, parce que je suis sans papa fixe actuellement. J'ai plus de papa. Je n'ai plus mon père. On n'aura pas de balles. Oh non! Ouais, j'ai vu aussi sur TikTok, il y en a plein qui n'ont pas de balles. Moi, j'ai pas eu de balles au collège normal. Il y avait un petit truc qui s'appelait le quoi, le cowfeet, je ne sais pas. C'était horrible. Comment on fait les cœurs en motif? Tu fais un motif comme ça, trois. Enfin, tu fais un, comment on appelle ça, un carré. Tu enlèves du remodil. Donc il y a un remodil comme ça, donc vierge. Et ensuite t'arrondis les coins. Coucou Sylva Charles, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je crois que je vais être stressée jusqu'à la fin de mes jours pour ce remodil. Oh non, ça va. Il vous stresse le remodil comme ça? Ou je rajoute une bande? Ici. Dites-moi. Dites-moi d'où elle vient. Enfin, je serai où je vais. Maman dit corse qu'on cherche bien. On finit toujours par trouver. Merci, c'est gentil, Roblox. Attends, pour le tuto, j'y pense. Oh, regarde sur YouTube. J'ai le souvenir d'avoir fait cette astuce pour Bodil. Tu vas dans mes vidéos les plus vues de ma chaîne. C'est la deuxième vidéo, je crois. C'est tuto construction pour votre île, un truc comme ça, tuto déco. C'est la deuxième vidéo, je crois, la plus vue. Et j'ai fait le tuto dedans, je m'en souviens. Tuto colle crème, ah bah ça. À l'aide, la colle crème. Nous vivons pour ça. Oui, oui, je sais qu'elle est dedans. Eh les gars, je vous parlais d'un truc, c'était il y a 4 ans. Oh, cette vidéo, elle date. Mais c'est une vidéo que j'ai dû abandonner pendant 15 jours, que j'ai repris. Ah là là, quelle... Ça, c'était la belle époque sur Animal Crossing, tu vois.
c'était le bon mood de l'époque. Ça manque. Je sais pas. En vrai, je suis obligée de faire comme ça. T'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Ouais, c'est vrai. Parce que j'ai commencé YouTube, j'avais... 4... Non, j'ai commencé YouTube, j'avais 11 ans et demi. Mais bon, c'est... la plupart m'ont connu quand j'avais 15 ans. Maintenant, j'en ai 19. Venez, on pleure. Pleurons. Hop là, déjà, on va placer ce petit remodel ici. Parfait. Ensuite, nous avons ici la petite route en briques. Voilà, regardez-moi ça. Oh. Même si tu n'as pas terminé. Mais merci, mais vous savez que mon île, elle est vraiment moche, là. Il n'y a rien dessus, faut attendre. Il s'aimait avec Gandhi, Milou, Maurice. Oh my god. Tu entendais comme ça. Voilà, déjà, on part sur ça. Et ici, j'aurai juste à m'installer. Donc là, après, je vais faire le petit chemin, tout ça, tout ça. Bon, là, c'est vraiment les tout premiers. Dans 12 minutes... Ah, c'est l'heure du toucher dans 12 minutes? Bah, merci, Clacou, d'être notre touche-nettrice. Parce que je te vois sur Discord, Rosemol. Elle met tout le temps l'heure du touche-nez. Bon, ça sera la seule fois où je m'autorise à faire ça avec le remodel. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est juste pour que le remodel soit bien... Bah, que je puisse y accéder, en fait. Premièrement. Voilà. Comme ça, j'ai accès. Mais sinon, je dénature pas du tout la structure de mon île. C'est vraiment pas mon but. Vous pensez qu'ici, j'ai la place pour mettre une deuxième rampe ou ça va être trop short? Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, ça fait... Ça fait 3. Ah! Bah, j'aurais vraiment pas beaucoup de place. Hein. Mais bon, là, je vais mettre une route tout le long ici. Hello Nicolas, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Il y a... Ouais, mais la place là, ça va être chaud, mais t'inquiète. Hop là. Parfait. Ici, je pense que je vais mettre une grande petite rambarde, ça va être trop beau. Les petites barrières. Ah ouais, ouais, ouais. Là, je le sens bien. Moi, j'espère que vous le sentez aussi. Hop là. Oh, scorpion. Scorpion, ta droite. J'ai pas de filet et je... Je suis un peu crazy, moi. MDR. Oui, je sais qu'il peut pas me piquer, mais je pensais pas qu'il allait sauter et vouloir s'auto-suicider comme ça. Vraiment, le gonze, il est tombé de la rampe. À l'aide. Non, mais que des bêtises, celui-là. C'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo, quand même. Et coucou, Leïna, comment vas-tu? Bah, par contre, il y a un bruit de mouche. Alors, un peu de remodel. Un scorpion, cette heure-là. Oui, c'est normal. Scorpion et tarantule, ma phobie. Tu penses? Voilà, regardez déjà. Peut-être un peu... Oula, oula. Non! Mais je suis nulle ou quoi ce soir? Qu'est-ce qui se passe? C'est la chaleur ou ça se passe comment? Non, là c'est pas ouf. Vous, vous préférez avec des coins arrondis ou pas arrondis? Vraie question. Ah, je sais pas si c'est mieux avec les coins arrondis. Pas arrondi. Ah bah super, si vous me dites... Ah, je pense que je vais faire juste arrondi dans les coins comme ça, mais pas tout. Genre là, tu vois, je remets pas en arrondi. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Comme ça, c'est mieux. Juste pour faire les petits virages, mais pas pour la structure ici, c'est mieux. Oui, oui, ça dépend des endroits, c'est vrai. Euh...
pavé. Et si j'ai envie de changer le remodel, de mettre le remodel de plus de terre, tout ça. En fait, j'ai aussi mis le remodel à moi. Oh non! Je me suis fail! Bon, déjà ici, nous avons une petite base, une toute petite, mais elle fait la... Voilà, c'est le début. Ah. Ouais, comme ça, c'est pas mal, je l'aime bien. Qu'est-ce qu'elle fout, elle? Et ici, je pense que je vais faire comme un carrefour, quand je lui enlèverai toutes mes fleurs, parce que là, comme vous pouvez le voir, bon, un petit peu, beaucoup, j'ai renversé le coca sur mon sac. Eh ben, nickel, tu l'as décapé. C'est un nouveau concept. Oh, faut que je déplace le musée aussi. Oh là là. J'ai trop de choses. Je passe un arc, t'inquiète, y'a pas de soucis. Ah, dimanche, ouais. Dimanche, on live. Aux fourses, les gars. Quelle question. Bien évidemment. Bon, ici, je pense que c'est toujours pas la peine. Ah, oh, si, je peux faire là-haut. Ouais. Ouais, je peux faire ici. Genre là, comme ça, et je remonte. Ici, il faut que je mette un pont, on est d'accord? Ah oui, il faut vraiment que je mette un pont. Un petit rouge pif. Mon pont, je peux plutôt le mettre par là, je pense que c'est mieux. Comme ça, on va directement en haut. Ah, mais mes arbres à clochette, vraiment... Moulaga. Donnez-moi la moulaga. Je préfère largement plus cette route pavée éventail que la route pavée comme ça. Ça fait plus ville. Genre. Ton bateau, c'est la perche. C'est un peu pratique pour aller d'une rive à l'autre. Alors, comme ça. Je me permets de tricher juste pour la rivière parce que là, il y a un problème sinon. Mais je ne dénature absolument pas la structure, voilà. Voilà, on va un peu... Hein? Mais... Je savais même pas qu'on pouvait faire comme ça. Je suis donc nulle à Animal Crossing. Mais c'est pas ça, moi, que je voulais faire. Voilà, c'était ça. Voilà, c'était ça. Le pavé va mieux avec la rampe. Celle-ci? Ou celle-ci. Je ne sais pas de laquelle tu parles, si tu parles de celle-là. Hop là. Ah non, faut pas que je fasse ça, après ça va, je peux ranger. Nickel. Et il va coller avec des trous. Bah non. Je comprends pas. Et re-coucou, comment revas-tu madame depuis tout à l'heure? Je ne sais pas de quoi tu me parles. C'est vrai, c'est un truc qu'il faudra tellement ajouter dans le jeu. C'est punaise de délimitation bien comme ça là. Voilà. Ah bah tout de suite c'est un peu plus joli hein. Avec un peu de remodel et tout. Ah ici je vais trop mettre un coin. Pêche. Ah ouais. Slay. Bon, par contre, il y a un problème au niveau du remodel que personne n'a relevé, c'est ça. Pourquoi personne ne m'a dit que là, il y avait un problème? Voilà, là, c'est mieux. Hop là. Oh non! Je me suis refail. De quoi c'est pas lui? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Attends, là c'est pas mal. Parfait. Et parfait. Ouais. Franchement, assez contente. Ça rend bien. Pour un début, faut que tu partages les astuces du guide SNH sur YouTube. Ouais, enfin pas tout parce que quand même, on n'a pas trop le droit, mais un peu. Ça fait longtemps que je t'ai pas regardé, par contre je voulais... Non t'inquiète Léna, ouais j'ai recommencé une nouvelle île sur une nouvelle Switch. Et c'est Nil Sentry, je vous prends mon temps. Avec un petit énorme corps, donc on met du remodel, on vit sa best life. Et puis voilà, donc assez chill, assez sympa. Moi c'est un peu le thème que j'aime beaucoup. À l'heure actuelle, comme ça me permet vraiment de me détendre sur le jeu sans me prendre vraiment la tête. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête comme à l'époque où il fallait à tout prix que j'ai la plus belle île avec le plus beau thème, tout ça. Donc c'est assez agréable pour moi.
et je pense que pour vous aussi, si vous voulez faire pareil que moi, faut un truc vers l'escalier, c'est-à-dire... Mais j'ai pas fini, hein. J'ai pas fini, je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire, les gars. Donc non, je peux pas mettre tout le remodel aujourd'hui encore, et heureusement, hein, mais... C'est en cours, c'est en cours. Ne vous inquiétez pas. Sans triche, change la structure de l'île. Gros fou, toi. Et pas... Est-ce que j'ai changé vraiment la structure de l'île? Donc arrête de mentir, c'est faux. Bah, je remets juste un truc de remodel en plus pour que mon chemin pardon, puisse se passer. Sinon, mon chemin, il peut pas passer. Non, mais je suis con, je mets deux fois le même truc. Parce que là, tu vois, sinon, mon chemin, il fait 1 et moi, je voulais qu'il fasse 2. Et je suis pas contente. Donc je change juste ça au niveau du remodel, c'est tout. Mais sinon, la structure... abuse, hein. C'est la même. J'étais choquée. Mais comment ça? C'est pas ça que je voulais faire. Ah bah si, c'était ça. J'ai rien dit, c'était ça que je voulais faire. J'essaye de pas trop tricher. Après, tu sais, entre nous, ton dit de croiser, t'as le droit de tricher de temps en temps. Entre nous. Ah, oh, ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé? Hop là. Là, ça va être un peu arrondi. C'est symétrique, l'escalier. Comment ça, c'est symétrique? C'est symétrique. Attendez, regardez. Hop là. C'est pas mal, hein. C'est de l'art contemporain abstrait ce que je suis en train de faire. Genre là, tu vois le truc, tu te dis, mais c'est de la beauté divine. C'est de l'art. Attendez, il faut que je fasse un truc arrondi. Non, c'est pas arrondi. Je suis en pleine concentration. La structure de l'île, c'est pas la triche. Mais oui, c'est pas la triche, mais j'avais dit, enfin j'ai toujours dit, j'essaye de ne pas trop changer. Pauvre, j'ai changé. Non. Mais qui lui dit? Ouais, c'est pas mal comme ça, non? Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Je rétorque. Franchement, ça va, il y a des gens qui changent beaucoup la structure de leur île. Ah, mais combien de fois ça m'est arrivé? Alors, ça m'arrivait peut-être quelques fois de prendre une île, de la mettre vraiment à plat et de reconstruire comme je voulais. Mais c'était en 2021 ou 2022, donc vous savez, mes îles de 2021-2022, c'était un peu le bazar. Et c'était une catastrophe. C'était un concept assez abstrait. Ouais, c'est ça. Mais vous êtes mimi, là. On dirait que je vous ai payé pour dire ça. Arrêtez, vous êtes trop gentil. J'en perds ma boucle d'oreille par contre, c'est un peu chiant. Touchez votre nez les gars, c'est important. Touchez votre nez. Touchez nez s'il vous plaît. Non parce que, attends, il est quelle heure? Il est 19h19, ouais c'est bon. Non parce que des fois vous me dites touchez votre nez alors que c'est fini. Les gars, c'est fini. Tira rira rire, il vaut mieux en rire. Tira le temps, c'est bon, dansons le rigoton. Oh! Voilà. Non! J'ai tout cassé. Pour Claclou. Attends, est-ce que Claclou est là dans le chat? Claclou. Claclou. Êtes-vous ici? Claclou. Je vais réveiller la peau. C'est moi qui viens de chanter. Oh non! Oh, qui sent cette musique horrible? On communique dans le. Je pense que j'ai pas non plus trop tardé. Y a pas un problème? Non, y a pas de problème. J'arrive pas à savoir si c'est bien comme ça. Oui, c'est bien. Allez, on va dire c'est bien. Ah oui, Claclou a dit qu'elle a un instant lurk. Merci. Mais c'est pas grave, c'est pas une raison. Tapis rouge. Comment ça, tapis rouge? Oui, mais c'est tapis rouge. C'est quoi ce nouveau délire encore? J'ai loupé quoi? Alors, c'est quelle heure? 19h21. Faut que je voie qui c'est que je pourrais bientôt raid.
les côtés de tes routes. Je vais mettre sûrement des barrières, ce genre de choses. Ça peut être assez joli. Et assez stylax un max. Ok, je m'occupe du raid. Ah, tu sais déjà qui tu raides? Tu me dis qui ça? Parce que imagine tu raides quelqu'un de genre trop bizarre ou quelqu'un. Oh. De toute façon, moi ça va, j'aime tout le monde. Non, oui, dans un monde de business, de toute façon. Je vais aussi mettre la nourriture au chaud, pas de soucis. Pourquoi tu as spammé? Là, en vrai, je pense que je vais m'arrêter là, ça fait déjà 2h21. Et je suis grave fatiguée, moi. Et j'ai quand même live 2h21. Aujourd'hui, vous avez le droit à un grand live. Comme ça, vous avez le droit à un beau, beau petit live. Dis-moi juste ce que c'est que tu veux, raid. Moi, ça va bien. Je cherche. Il y a qui est live? J'ai pas mon téléphone, donc je peux pas voir qui c'est qui est live sur Animal Crossing. Parce que d'habitude, je suis là en train de stalker. Allô, il y a qui est live à l'heure actuelle? Il y a une, deux, trois. Oh my god, il y a une personne que j'aime trop, une américaine. Bon, on va pas l'arrêter parce que bon, ça va être compliqué pour vous pour comprendre. Ah, mais pourquoi les gens que j'ai envie de raid, ils sont pas français? J'ai envie de raid tout le monde aussi. Vas-y, dis-moi. Est-ce que je vois... Vas-y, One Life, let's go. Let's go, let's go, vas-y. Je te laisse prendre les commandes, comme ça, on vous raid chez quelqu'un. Moi, en plus, j'ai quand même bien live aujourd'hui, en vrai. Profitez bien, les gars. Profitez bien ce week-end. Ressourcez-vous bien, il fait chaud, donc... hydratez-vous. C'est hydratide. Que dire de plus? Allez voter dimanche. De toute façon, dimanche, je live normalement. Donc, j'ai un peu hâte. C'est moi, la qualité de ma caméra est trop bien aujourd'hui. Je sais pas, j'ai l'impression que la qualité est très slay. J'aime bien. Donc, du coup, on vous raid chez Mewka Girl. Alors, je ne sais plus si je l'avais déjà raid. Il me semble peut-être que je dis des bêtises. Mais n'hésitez pas à aller voir la petite madame. Ah, mais si, je crois que c'est la nouvelle madame que j'ai raid il y a pas longtemps. Qui débutait ce Twitch il y a pas longtemps du tout, je crois il y a même pas un mois ou une, je sais plus, une semaine. Mais ouais, n'hésitez pas à aller la voir, donc participez tous au raid s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir pour pouvoir la soutenir, et c'est tellement important qu'à mon échelle je puisse soutenir une nouvelle streameuse, donc n'hésitez pas à vous follow, c'est pas encore fait. Actuellement elle est sur quoi? Je te vois au spoil, gros fou. Qu'il faut pas spoil les streamers comme ça, c'est pas, enfin moi j'aime pas être spoil d'un raid. On avance 100%. Ah oui, punaise, t'es en 100%. Force à elle. Donc voilà, apportez-lui tout mon soutien, tout mon courage pour le 100%. Moi j'ai pas tardé à aller manger. Vous êtes trop mimi. Allez, prenez soin de vous les copains. Big love you, et à dimanche et à demain pour une nouvelle vidéo et ASMR ce soir. Bisous, love you. Vous êtes les meilleurs. Boum. Bisous. À très vite, je vous aime fort. Bisous, bisous.